Voilà. Donc ce qu'il y a, figurez-vous. Salut Kichou. Ouais, non, mais attendez, le live a commencé à 15 h. Justement, je suis pas en retard. Je suis pas prête. Mais je suis là. Donc, bon, il y a beaucoup d'entre vous qui savent déjà ce qui se passe à propos de cette petite animation que vous voyez en dessous. Donc, rapidement, la SPA de Cholet. Cholet, ça se passe à côté de Nantes, a été vandalisée et ses animaux maltraités, voire tués, dans cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi. Et du coup, il y a notre ami... En fait, je suis en train de parler, mais je suis pas dans l'axe. Il y a notre ami Trinity qui lance une opération avec la mobilisation des streamers qu'il voulait. Donc... Bah, déjà parce que Trinity est toujours là quand on lui demande, et donc c'était la moindre des choses que d'accepter, et aussi parce qu'effectivement, si on peut réparer un peu le tort qui a été causé, et ben ça fait toujours plaisir. Joli front. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, vous avez un lien de don, donc si jamais ça vous dit, si vous l'avez pas déjà fait sur les streams de tous les autres qui ont lancé un peu plus tôt que moi. Les personnes qui ne connaissent pas Cholet, c'est une mauvaise personne qui doivent faire leur BA. Exactement. Allez donner, du coup, faites votre BA. Non, en vrai, voilà, si le cœur vous en dit, aujourd'hui, du coup, bah, on devait déjà streamer ce live cuisine, donc ça est maintenu. Ça tombe bien que ça soit VG, parce que streamer pour la SPA et cuisiner de la viande, ça aurait été un petit peu complexe, mais enfin, on l'aurait fait. Mais du coup, c'est mieux que ce soit le live VG, donc ça tombe très bien. On fait mousse au chocolat, chili végétarien, et voilà, et des bonnes actions quand on peut. Salut Sniper, j'ai bien reçu ton message Sniper, il faut que je réponde. Mais malheureusement, moi je peux pas t'aider. On en reparlera. Ceux qui ont martyrisé des animaux devraient être frappés par la foudre, peut-être bien, oui. Mais écoute, c'est pas à nous de faire la loi, malheureusement. Salut Saif. Malheureusement ou heureusement, je sais pas trop. Vous allez me dire si vous m'entendez toujours. Pendant ce temps-là, j'installe vite fait la table. Puisque bien entendu... Ça sent trop bon dans la chambre parce que ça sent le céleri. J'adore l'odeur du céleri. Dans les plats, je suis pas spécialement... Enfin, je m'en fous en fait. Mais l'odeur... j'adore. Alors... On va commencer par la mousse au chocolat de toute façon parce que la mousse au chocolat doit... Qu'est-ce que je suis en train d'écraser là-bas? Rien de grave. La mousse au chocolat doit... Pourquoi? Ici, il y a du vent. Là. Comme ça. Hop là. Voilà. J'arrive, hein, c'est les derniers réglages. Voilà. On est bon! On m'entend pas fort. Alors malheureusement, on peut pas m'entendre beaucoup plus fort que ça. Doit reposer au frigo. Exactement. Merci grand migrateur de finir mes phrases. C'est exactement ça, la mousse au chocolat devra reposer au frigo, du coup on va commencer par ça. Je caille, donc vous pardonnerez mon pull énorme. Je suis allée me laver les mains, je me suis attachée les cheveux, comme vous le voyez. Et j'ai même mis mes lunettes, mes lentilles au cas où ça gicle pour que je puisse quand même voir. Voilà. Donc, l'huile pour l'instant ça n'en est pas besoin. J'avais le son du casque hyper là. Ah, bon, donc tout va bien. Les autres, vous m'entendez bien comme il faut? Alors, du coup, la recette de la mousse au chocolat, j'ai bêtement mis le chat en énorme, mais j'ai pas mis la recette en énorme à côté. Recette de la mousse au chocolat. Alors, j'ai dû trouver moi-même mes recettes, hein, parce que les viewers n'ont pas cherché à fournir les recettes qu'ils voulaient que je fasse, donc j'ai choisi mes recettes. J'ai pris une mousse au chocolat toute bête, à base de 4 ingrédients. C'est à cause de Trinity qui parle comme ça. Qui a un micro de qualité, il faut dire. Donc mousse au chocolat aujourd'hui. Au haricot rouge. Mousse au chocolat au haricot rouge. Alors attendez, il faut que je fasse quelque chose. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Bougez pas, hein, que personne ne panique. Je me rappelle plus du tout comment je m'étais installée la dernière fois pour être à l'aise. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Bon anniversaire Cuicui. C'est vrai que c'est l'anniversaire du Kikui, nous avait prévenu. Voilà, si je fais comme ça, on est bon. Et donc là, on est coupez le chocolat en morceaux, faites-le fondre avec du beurre au bain-marie ou au micro-ondes. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Mais peut-être que je pourrais le faire au micro-ondes, ça me ferait moins chier que de le faire au bain-marie. Hop. Hop. C'est réglé. Pas de casserole pour la mousse au chocolat. Donc on y va pour casser le chocolat en morceaux. Ça va, c'est facile. La manipulation du chocolat, normalement, je m'en sors. Mais non, faut pas paniquer. Merci Comète pour ton host. C'est moins bon au micro-ondes, mais ça change rien au micro-ondes. Ça te donne pas un goût. C'est pas le gâteau que je vais faire en micro-ondes. Parce qu'on fait pas un gâteau, on fait une mousse au chocolat. Et la mousse au chocolat, ça cuit pas d'abord. Je sais, hein. Alors le seul truc, c'est combien de grammes il me faut. Enfin, combien de grammes il y a. Oh, les relous, quoi. Au lieu de faire une plaquette de 200 grammes, ils se font une plaquette de 205 grammes. C'est pas pratique. On va doubler les quantités, du coup. Comme ça, je fais 300, une plaquette et demie. Ah, le chili, ça sera pas bon au micro-ondes. Non, on va pas faire un chili au micro-ondes, vous tracassez pas. Ça sera ramolli et pas liquide. Ils disent que c'est moins bon micro-ondes. C'est vrai, c'est moins bon micro-ondes. En vrai, ça change rien, on est d'accord. 150 de chocolat noir, du coup, vous multipliez par 2, ça fait 300. C'est pas ce que j'ai dit? Ça change rien en vrai. Ah, merci. Vous avez remarqué qu'ils ont fait des tablettes qu'on ne peut pas couper en deux aussi. Parce que la moitié de la tablette, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, c'est bon. C'est juste que moi, j'ai pas réussi à couper en deux. Apparemment, ça veut pas, je crois. Bon, c'est pas grave, on va faire deux. Le jeu, il m'embête. 2. Voilà, 4. Donc la moitié. Mais des ondes, ça peut varier la chimie. Faut tourner. Non, mais on peut tourner, c'est pas un problème ça. Snipe. Mais non, mais c'est pour faire fondre le chocolat. C'est pas pour cuire la mousse. Bah non. De toute façon. Ça va être chiant parce que... Tac. Je fais le double de quantité par rapport à ce qui était noté. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Je vais faire que je vais faire que les doses données. Donc. Là, il y avait 100. Donc, si je prends la moitié, il y a 50. Donc, je fais juste ça. Et ensuite, on prend... Ici, 100. La moitié. C'est 50. Oui, j'ouvre deux tablettes. Ça marche. Aïe. Aïe. C'est trop dur. Tu veux ça pour bain-marie ? Maintenant, on va les mettre au micro-ondes, on a dit. Je crois que Comet est de votre avis. Il a levé les yeux au ciel, il a fait. Comme ça. Salut Dark Shoppy. Pique ma chaise, vas-y. Hein, j'ai ouvert deux tablettes, oui. Non, c'est pas pour que tu les manges, c'est une erreur de calcul. Merci. Allez, salut. Tu manges pas tout. Non. Je prends une barre. Oui. Non, une barre, pas deux barres. Regarde. Je l'ai coupé devant toi. Je repose ça ici. Et je te laisse ça ici. Voilà. Bon après-midi. Bon après-midi, carrément. Bah, sauf si tu veux revenir avant, mais... Tu n'as pas le droit de manger du super... Je peux avoir du beurre, s'il te plaît? Ah oui. C'est juste beaucoup plus long au bain-marie. Ah, bah voilà, c'est ça. J'ai pas compris pourquoi tu prends deux tablettes différentes. C'est une expérience sociale. Ça va très bien, merci. Alors, il fait combien cette tablette? 250. C'est à peu près divisé par 2. 250. Parce qu'il y a des graduations dans ce sens-là, mais nous, on a coupé le beurre dans l'autre sens. 250 divisé par 2, ça fait 125. Et 125, pour en avoir 25, il faut diviser par 5. C'est tellement pratique. Ça fait ça, je crois. Mmh. Ah ouais. Il est malin, mon chéri. Il a ramené une balance. Il en faut plus. Oh, non, 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 non. Oh, mais c'était bien à zéro. Non, non, c'était pas en grammes. Il en faut moins. J'allais mettre le double. Parce que là, c'était en uflose. En uflose? Mmh. Sacré monnaie, le uflose. Non, non, il y a trop. Il y a 28 pour 25, c'est pas grave. Ok, bon. C'est du beurre. Jamais trop de beurre. Si. Non, les balances, c'est des rapporteurs, c'est ça. Tu veux pas prendre une balance? Si, tu vois, comment t'as eu l'idée de m'amener une balance? Est-ce que je peux te charger d'aller mettre ça au micro-ondes? Non, parce que moi je vais jouer et t'as pas besoin de moi. Voilà. Tu mets directement le beurre sur la balance? Tu sais, bah oui. C'est pour ça qu'il y a 5 grammes en plus. Parce qu'en vérité, toute la tablette fait 200 grammes. Mais il y a 5 grammes de papier. Il y a 5 grammes de papier. Donc c'est pour ça qu'ils mettent 205 grammes. Ah ouais, c'est bien ça. Oui, ils veulent pas vendre. Dark Shopping, normalement. Regarde si le son de ton casque est pas bas. Parce que Kichou, elle a dit qu'elle avait laissé le son de ton casque trop bas. Que ça donne. J'ai tout mis à fond. Me revoilà. Non, j'ai rien cassé. C'est juste très bas. Mon micro est au plus fort, mais je l'ai pas mis non plus sur la table. Voilà, on voit mes cheveux dégueux. Dégueux, les cheveux. C'est jour de shampoing le dimanche. Alors. Ouais. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Ça, je sais faire ça. On va mettre les œufs. Je vais chercher les œufs. Les œufs. Tac. Hein, tu vois Kichou? Dimanche, jour de... Vous voyez Kichou, elle est d'accord avec moi. Dimanche, c'est jour de shampoing. C'est le temps où t'as le temps. On va en prendre 2 blancs et 2 foncés. Et 2 métis, parce que j'ai pas de noir. Comme ça, on fait des équivalences. Il est con, ce crâne. Sniper, il m'entend fort. Donc c'est chez vous que ça va pas, les amis. que vas-tu faire de tes jaunes? Mais les jaunes, ça va aussi dedans. Les jaunes et le sucre vont avec le chocolat fondu. Il est écrit. Donc on va mettre les jaunes et le sucre là-dedans et les blancs là-dedans. Ouais, j'ai une recette qui n'a pas de perte. Voilà. Écoutez, ça a une belle couleur, c'est joli comme tout. On y va. On a dit les blancs là-dedans. C'est parti. Bah, c'est surtout que je peux rien faire d'art shopping. J'aurais pu, je l'aurais fait avec beaucoup de bienveillance et sans problème du tout. Mais je suis déjà au son maximum chez moi. Est-ce que tu as pas baissé le son dans ton son Windows? Hein? Vous voyez de quoi je parle? Toc. Oh. Non, elle m'a pas échappé. Ce qui serait bien, ça serait qu'au fil des live cuisine, on fasse une vidéo qui reprenne toutes les fois où je casse des œufs pour voir si je m'améliore d'une fois sur l'autre. Ça serait rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Pantouflette. Ouais, ça sera une fois par mois, tant qu'il y a suffisamment de subs pour payer les courses. Oh, il y a un truc noir dans mon œuf. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air dur. On dirait un cramé. Mais l'œuf, ça brûle pas. Du coup, je sais pas ce que c'est. Hop, voilà. Ça sera pas dans ma mousse au chocolat, en tout cas. Toc. 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 C'est un petit poussin. Mais non. Arrête. Même pas vrai, d'abord. Ouais, c'est stream cuisine. La recette du jour, mousse au chocolat. Et donc là, on fait la mousse au chocolat et chili végétarien. Sachant que vous savez, je connaissais même pas le... Enfin, je crois que j'ai jamais mangé de chili con carne de ma vie. Du coup, j'ai pris la recette du chili végétarien et j'ai retiré les trucs que j'aimais pas. Donc ça se trouve, ça sera pas du tout un chili. Mais... ça sera un truc que j'aimerais bien manger après, voyez-vous. Tout l'intérêt est là. Hop! Il faudrait que je fasse une poubelle. C'est pas grave. Alors. Tac. On casse les œufs sur la table. Bon, la prochaine fois, je ferai les œufs sur la table. Là, je les ai pas cassés sur la table, je les ai cassés sur mon bol. Ça change quoi? Ça change quelque chose en vrai ou c'est juste pour m'embêter qu'il joue? C'est ça ma question. Je suis en train d'attraper mon batteur à œufs si vous vous demandez ce que je fous. Il n'y a plus de haricots rouges. Mais si, mais si. Tu aurais dû demander des conseils à Rome. Ben Rome, il n'est pas sub à la chaîne, alors normalement c'est pas lui qui choisit. Il s'était proposé de faire des propositions sur Discord, mais il n'a pas eu le temps de le faire, je pense. En tout cas, il l'a pas fait. Du coup, rien. Hop. Du coup, c'est que ce qu'ont proposé les viewers. Qu'on a pris comme proposition. Parce que l'idée, c'était de ne pas faire un plat qui... Oh. Donc en fait, j'ai pas mis... J'ai mis les haricots, mais par exemple, j'ai pas mis le tofu. Parce que moi je suis pas hyper fan du tofu et qu'il n'y a pas de tofu dans le chili et que du coup je me suis dit on peut faire un chili sans tofu, voyez-vous. Donc j'ai pas mis le tofu par exemple. Hop. pense qu'avant de faire ça, il faut d'abord que je fasse quelque chose avec ça pour que ça redurcisse pas. Donc il faut que je touille les œufs avec quoi? Les jaunes et le sucre. Avec le sucre, je sais pas combien il faut de sucre. Je vais chercher mon sucre, j'arrive. Je crois que c'est 25 grammes aussi. Dans le câble, tout va bien. Salut Gargouille. Excusez-moi, mais les commandes, les pas possibles. Ah bah bravo grand migrateur. Et une pincée de sel dans les blancs. Ah oui, j'avais oublié. Je crois qu'on a ramené du sel. Non, pas du tout. Non, il faut que j'aille chercher du sel. Alors attendez. Le sucre, je peux pas le mettre à même la balance. C'est nul. Salut Pidest. Non, c'est pas des crêpes. 29. Allez, c'est pas grave. On a dit de toute façon pour le sucre et le beurre, ça compte pas. Parce qu'il y a en trop. Tac. Ça, c'est la partie trop bonne des gâteaux, je trouve. Jaune d'œuf, sucre, chocolat. Ah ouais, j'aurais pu faire ça aussi, ça m'aurait évité de salir un autre truc. GG grand migrateur. Le son est super bas. Bah décidément, tout le monde trouve le son super bas. Bon, le micro est super loin de moi, hein, comparé à avant, ça c'est sûr. Mais normalement, vous devriez m'entendre quand même. Après, c'est le fameux micro qui est censé ne moins entendre les ronflements de comètes et tout. Donc si ça se trouve, il vaudrait mieux que je stream avec le vieux micro qui entendait tout. Non? Vous m'entendiez mieux au dernier live cuisine ? Bah ouais, quand il s'agit de live loin de la caméra, enfin loin de l'écran, je pense qu'effectivement l'autre micro était mieux. Du coup, forcément. Tac. Ça c'est trop bon ça. Le gag c'est que je déteste le chocolat. Ah bah je sais pas si on peut faire des mousses à autre chose qu'au chocolat. Je pense que oui, tu dois pouvoir faire des mousses aux fruits rouges par exemple. Non, ça existe ça. Ça s'appelle plus de la mousse au chocolat quoi. C'est surtout ça. Sniper, il a dû baisser le son sur sa tablette. Si je change, je dois relancer le live. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu chiant. Allez, avant que ça redurcisse, on va monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Il va me manquer du sel. Il faut que j'aille chercher du sel. Attention pour le bruit, ça va être nul. Baissez le son. Encore plus. Le chocolat au micron d'un tour pour qu'il soit pas trop mou. Trop dur. effectivement, on peut pas, peut-être pas les remettre. Il faut encore les couper. Salut Ursula! Il est trop dur ce truc. C'est quand tu les retournes comme ça, tu vois. Ah, arrête. Mais non, c'est pute en fait. Oui, mais tu vas me gâcher toute ma cuisine si ça tombe après. Ils vont dire que j'ai fait de la mauvaise cuisine. Alors, mais non, mais pas du tout. Mais c'est pour voir s'ils sont bien durs, s'ils sont bien formés. Bonjour, Bumbo. Hello. You can speak in English if you want. We speak in French, but you can speak in English in the chat. Merci beaucoup. Et we will answer your question if you have some. Je connais putain de. Ok, alors on est parti. Attention les amis, c'est parti. Ah ouais, bah... Ouais, bah ok, hein. Attends, je vais chercher un truc, bouge pas. Merci. We are doing mousse au chocolat. Chocolate... mousse? Non, chocolate... Comment on dit mousse au chocolat en anglais? Merci. Non, c'est pour prendre le blanc, voilà. Oui. Merci. We'll take the blend, the white. The whites. The white. Eh, hey, je suis trop fière de mes blancs, ils sont même mieux que la dernière fois, je crois. Ninja. Arrête. Hey, c'est une simple vengeance. Une vengeance personnelle. Je vais essayer de faire de la pâte. Pour toutes les fois où je t'en pique. Voilà. Je sais pas si elle va être très mousseuse parce que j'ai beaucoup de mal du coup à ne pas les casser, les blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Salut Goyom. Attendez, je crois que la cuillère en métal c'est pas... pas adapté. Tu peux pas y adapter du tout. C'est ça le problème. J'ai mal à ma pâtisserie. Tout va bien se passer. Ne paniquez pas. Hop. Tac. Trop beau. Ils sont trop beaux mes blancs en neige. Hop. Avec la cuillère en bois, je crois c'est mieux. J'en mets une cuillère en bois. Là, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je rappelle qu'on récolte des sous pour la SPA de Cholet, au passage, aujourd'hui. Toute la journée. Parce qu'ils ont été victimes cette semaine de vandalisme. Donc vous trouverez un lien sous le live et vous trouvez le même lien si vous faites point d'exclamation SPA. D'ailleurs, quelqu'un peut le faire maintenant, comme ça, ça s'affiche sur vos écrans ébahis. Parce que c'est trop injuste que des concitoyens estiment qu'ils ont le droit de détruire le travail et la vie. Le travail des gens et la vie des animaux qui sont soutenus. Donc, quelle que soit notre affinité avec la cause animale, je trouve que c'est bien de se mobiliser. Puis un chat a été tabassé à mort aussi. Non, t'as raison, Guillaume. Il faut, c'est à ça que ça sert le live. Vous allez me donner des conseils. Merci, Kichou. Ouais, vandalisme contre la SPA. Il y a même des animaux qui sont décédés. Il y a deux chats qui sont décédés. Un et l'autre est mort de ses blessures là récemment, ce matin. Ouais. Moon a été tabassé à mort. Ouais, il y a un chat qui a été tabassé à mort. Voilà, les gens qui estiment que, effectivement. Vous savez que c'est les mêmes personnes qui. Enfin, je pense que quand on est capable de tabasser un animal à mort, je vois pas ce qui vous empêche de tabasser un autre humain à mort. Et je pense que c'est important qu'on se mobilise contre ça. Histoire de montrer que c'est pas eux qui gagnent, voyez-vous. Et encore une fois, quelle que soit notre sensibilité à la cause animale, parce que vous savez que c'est pas forcément une cause dont je parle beaucoup, je pense que c'est pas parce qu'on estime qu'on peut manger de la viande, par exemple, qu'on doit maltraiter des animaux, voyez-vous, par exemple. Bon, on va pas rentrer dans ces débats-là, on en est déjà à simplement essayer de réparer les dégâts de nos concitoyens. C'est ça. 2 chats qui sont décédés, des animaux qui ont été volés aussi, je crois bien. Et oui, il y a eu 3 chiens qui ont été volés, je crois. Voilà. Et des animaux qui se sont éparpillés dans la nature parce qu'ils se sont enfuis, bien sûr. Ils ont ouvert les cages des chiens, en fait. Ils ont ouvert toutes les cages, en fait, et beaucoup d'animaux sont partis. Les chats ils ont détruit du matériel. Les chats avec le chat avec lequel ils ont tabassé la moune. Il y avait plein de petits chats qui ont été... Bah, ils étaient effrayés, ils se sont enfuis aussi. Le matériel, tout ce qui est paquet de croquettes a été éventré. Par contre, tout ce qui est ordinateur, rien n'a été volé. Hein. Tout est bien en forme. C'est juste vraiment que tout ce vraiment qui est contre les animaux, quoi. Tout ce qui est animal et tout, en fait. Tout ce qui a été nos concitoyens, voilà. Et dans concitoyens, il y a citoyens, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, Malinou, malheureusement, encore une fois, c'est, enfin malheureusement ou heureusement, c'est pas à nous de faire la loi. J'espère que ça sera pas pris à la légère, c'est surtout ça, parce que c'est le genre de choses où on peut se dire que si ça tombe sur les mauvais officiers, bah, les gens vont pas s'affoler beaucoup pour mener l'enquête. Donc j'espère que l'enquête va être menée comme il faut, correctement et rapidement. En fait, et puis qu'on va pouvoir avoir l'occasion d'entendre un juge estimer et répéter une fois de plus qu'on ne martyrise pas pour le plaisir des animaux impunément en France. Voilà. En attendant, la SPA doit lever des fonds pour récupérer ces animaux, les retrouver, faire des battues, réparer le matériel et remplacer le matériel qui a été démoli. Et on peut savoir ce que fait la manette sur la balance. Je la mets dans la mousse au chocolat, moi. Hein, sinon. Puis n'hésitez pas à retweeter les... Ça, c'est autre chose, Scram. C'est vraiment autre chose. N'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux pour donner assez d'ampleur pour que ça réveille un peu la justice, quoi. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive que des petites SPA comme ça se fassent vandaliser. Et ça passe un peu hors vue, quoi. Donc n'hésitez pas à le faire, quoi. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut encore que je le fasse? J'ai l'impression que... Il y a encore des grumeaux au fond. Elle a une bonne tête là. Au pire, ça sera de la crème au chocolat, voyez-vous. Tu peux arrêter de mélanger et va mettre au frigo. On est en train de tuer les blancs. Ok, je suis assez d'accord. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Tu veux que je le remène? Oui, je veux bien, mais attends. Merci. Ce serait dommage de perdre tout ça. C'est pas grave. Ah bah d'accord. Ah. Merci monsieur. Je prends le bol aussi. Oui. Merci. On a fini la mousse au chocolat. Merci, merci pour les donateurs. Alors comme vous le voyez, comme c'est un lien directement à l'association, l'avantage c'est que vous avez automatiquement les déductions d'impôts et surtout il n'y a pas d'intermédiaire, donc tout va directement à la SPA. Vous utilisez bien le lien qui passe sur le stream, comme ça, ça sera comptabilisé dans une cagnotte à part pour la SPA. Ils savent d'où viennent les liens, et d'où viennent les sous, pardon. Et n'hésitez pas à vous manifester dans le chat ou sur Twitter avec le hashtag stream, excusez-moi, faut que je me mouche, avec le hashtag stream, stream SPA Cholet, pour nous dire que vous avez donné, qu'on puisse vous remercier, puisque du coup, il n'y a pas de traçabilité des dons. Non, ce qui a rien à voir, Scran, c'est que... Bref, on va pas faire une conversation théologique maintenant. Je bois un coup et on enchaîne. Non, pas du tout, on a fini de maltraiter les blancs, on les a envoyés au frais. Alors, c'est parti pour le chili. Alors le chili, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé une recette. Et après, moi, je l'ai bricolé parce que j'aimais pas tout ce qui était dedans et que, en plus, j'ai jamais goûté un chili de ma vie. Alors je me suis dit, je vais faire un truc que j'aime avec une recette de chili. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, attendez, je vais rincer ça aussi. Est-ce que tu peux rincer ça ? Merci. Merci. Donc, on a ça. Des poivrons, des champignons. J'ai aussi des oignons. Et... j'ai pas mal de trucs. Les oignons. J'ai pas pris d'ail parce que je suis pas hyper fan de l'ail. Pas de soucis, Malinou. Merci à toi d'agir. De toute façon, c'est le peu qu'on puisse faire. C'est, je pense, de contrebalancer une mauvaise action avec plus de bonnes actions, plus de soutien pour ceux qui ont été touchés, plus de soutien pour l'événement. Pour ceux qui ne peuvent pas donner, vous pouvez toujours partager ou en parler à d'autres autour de vous. Et encore une fois, enfin voilà, on peut que montrer aux vandales qu'ils ne représentent pas l'opinion des autres. Parce que c'est que parfois, c'est des gens qui sont persuadés que tout le monde pense comme eux et qui sont les seuls à oser agir, machin et tout. Donc plus on est nombreux à réagir à l'encontre de ce qu'ils font, et plus on leur donne tort en fait. Et inversement, pour les gens qui ont été touchés et dont le travail a été saccagé ou qui étaient attachés à ces animaux plus particulièrement et qui sont du coup extrêmement touchés par ça, et bien tout le soutien qu'on peut leur apporter, c'est que du bonus. Voilà. Ça va pas du tout ressembler à un chili, pourquoi? S'il n'y a pas d'ail, ça ressemble pas à un chili, c'est ça? Il y a écrit peler et hacher l'ail et l'oignon. Hacher finement le piment rouge. Alors, j'aime pas le piment, alors j'ai pas mis de piment. Si, il y aura des haricots rouges, pas de panique. Ils sont dans... J'ai pris des haricots en boîte, par contre. Ah, salut Helvécide. Bonsoir, bonsoir. Helvécide qui fait... Enfin, bonjour. Helvécide qui fait du dessin. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vachement chouette. Je l'ai host une ou deux fois ces derniers temps. Normalement, vous êtes déjà passé la voir. Elle décide aujourd'hui en cuisine. Je cuisine une fois par mois grâce aux sous des donateurs et des subs. Et c'est du coup les donateurs et les subs qui choisissent le menu. Donc là, le menu c'est chili. Salut Anonyme Vegan, avec grand plaisir. Merci à toi de passer nous voir. Et salut Pinage, ta gazote à toi. Ah bah du coup oui, comme ça tu soutiens la Croix-Rouge, n'importe quoi. Comme ça tu soutiens la SPA à plus long terme. C'est bien Sniper, merci à toi. C'est bien d'agir. Quand on peut, c'est vraiment bien. Et encore une fois, si vous pouvez pas donner, vous pouvez au moins en parler, vous pouvez faire bouger un peu les choses en étant mobilisé. Encore une fois, de façon à ce que cette affaire soit pas prise trop à la légère par... les autorités et les gens qui peuvent mener l'enquête, par exemple. Merci à tous les deux. J'ai loupé longtemps, 45 minutes, Pinage. T'as loupé la mousse au chocolat. On est au chili, là. On commence tout juste le chili. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez manifester votre soutien, vous pouvez tweeter. Normalement, vos tweets vont apparaître ici. Alors, moi, je peux pas les lire de là où je suis. Mais ils apparaîtront sur le live et surtout... Donc après, n'hésitez pas à me le redire dans le chat si jamais il y a des tweets ou des infos qui sont importantes que je laissais passer. Mais comme ça, tous les gens qui participent à l'événement savent que la cagnotte augmente. Parce que du coup, grâce au lien qui est dans le chat ici, qu'on va vous donner avec le point d'exclamation SPA, vous pouvez donner à la SPA de façon à ce qu'ils sachent compter pardon, quel est l'argent qui vient de l'événement comparé aux autres dons qu'ils reçoivent ordinairement, on va dire. Du coup, il y a un montant de cagnotte qui va être mis à jour à la fin de la journée. Merci beaucoup Kichou et Comet. Il se passe quoi avec la SPA? En fait, Pinage, tu sais, le live cuisine était prévu depuis longtemps. Mais entre-temps, cette semaine, il y a la SPA qui a été victime de vandalisme. Ils ont détruit des cages, détruit la nourriture, détruit le matériel des animaux, libéré les animaux, enfin ouvert les cages des animaux et maltraité les animaux. Du coup, les animaux se sont enfuis dans la nature, enfin se sont perdus dans la nature. Il y a 2 chats qui sont décédés de la maltraitance, ils sont morts sous les coups en fait. Un qui est mort dans le jour même et un autre qui est mort là récemment de ses blessures. Enfin voilà, c'est atroce. Et des animaux qui ont été volés. Donc tous les animaux sont identifiés aussi, hein, donc... Sur le site de la SPA, vous trouverez, et dans le message qui rappelle ce qui s'est passé, vous retrouverez la description des 3 chiens qui ont été volés. Donc si vous êtes dans la région de Nantes, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et voilà, gardez l'œil ouvert quoi. Pourquoi faire ça? Je sais pas, par méchanceté. Parce que c'est des gens, encore une fois, je pense que quand on est capable de faire ça contre des animaux, il n'y a plus rien qui t'empêche moralement de le faire contre des hommes, donc... De la violence, tout simplement. C'est ça. C'est la violence. Ouais, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Il y a de bonnes chances pour que vous l'ayez vu. Donc voilà, nous... Enfin, Trinity, donc une streameuse que vous connaissez bien parce qu'elle passe souvent sur ma chaîne pour les lives caritatifs, a fait un appel aux bonnes volontés pour monter une cagnotte et des lives en réaction, en fait, histoire de montrer que on se mobilise. Pour la SPA, et encore une fois, je pense que quel que soit l'engagement auprès des animaux, quand on a un peu de bonté d'âme, on essaye de réparer la violence d'autrui. Merci Kichou. Donc voilà. Cui-cui. Non, c'est pas pour ton anniversaire. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de streamers qui se sont mobilisés. Vous retrouverez toutes les infos sur Twitter, entre autres avec le hashtag... Stream SPA Cholet. Donc tous les streamers qui sont mobilisés pour récolter des sous pendant leur stream, que ce soit aujourd'hui, parce que la plupart on est aujourd'hui dimanche, ou dans la semaine. Donc le lien va être actif ici en dessous du stream toute la semaine. Mais ce stream là, je trouvais que ça tombait bien en plus, vu que c'était cuisine vegan, VG, ça tombait bien en plus que ce soit le jour où on fait cuisine VG que on partage le lien de don. J'espère que la justice sera... Ouais. Écoute, ça sera sûrement des choses... Malheureusement, je pense que c'est plutôt des choses avec sursis qui vont être prononcées, mais on peut espérer que au moins ça fasse un précédent et que peut-être, si jamais c'est des gens qui ont déjà eu des problèmes avec la justice, ça permette de confirmer le caractère violent de ces personnes. Et que si jamais elles n'en ont pas encore eu, ça sera avec sursis jusqu'à ce que leur caractère s'affirme à nouveau, si jamais c'est le cas. Donc voilà. Bah ouais, grand migrateur, je sais bien, mais tu sais, on peut pas, malheureusement... Enfin, si ça vous donne, vous, des envies de violence, c'est tout ce que les vandales gagnent, et c'est ce qu'ils veulent. Il n'y a même pas d'enquête. Ouais, c'est ça, LV. Mais du coup, c'est pour ça qu'on essaye de faire le maximum de bruit en fait autour de l'affaire. Elle a beaucoup été relayée quand même sur les réseaux sociaux pour qu'au moins, il y ait une trace quelque part. Effectivement, je suis assez lucide, je pense qu'on n'aura pas de condamnation. Mais je peux vous dire que quelqu'un qui a déjà été condamné, ou en tout cas reconnu coupable, même si non condamné, de fait de violence sur les animaux, le jour où il dérape, avec des faits plus faciles à punir en France, on n'est pas tendre avec lui quoi. J'espère en tout cas. J'ai l'espoir. Ça sert à rien de porter plainte? Bah si, toujours. Après c'est toujours la même question. Est-ce que... Enfin, C'est un sujet qu'on a déjà eu beaucoup avec l'histoire du harcèlement. Est-ce que ça sert à quelque chose de porter plainte? Et à l'époque où on parlait du harcèlement féminin, tous les hommes étaient bien présents pour nous dire que mais si, il faut absolument porter plainte, même si t'as pas de preuves, au moins le jour où ça réarrive, le gars il a déjà des choses au cul. Bah, je pense que c'est, pour le coup, autant quand il s'agit de harcèlement féminin, c'est difficile pour la victime d'aller porter plainte parce qu'il y a énormément de préjugés, de malveillance parfois autour de la plainte. Autant là, je pense que ça vaut le coup de porter plainte. Alors je sais pas du tout de Rios s'il y avait de la vidéosurveillance ou quoi, je pense que de toute façon ça c'est des infos qui vont concerner les... la police et pas nous en fait, hein, tout simplement. Nous tout ce qu'on peut faire encore une fois c'est essayer de montrer en témoignant de l'énergie positive, montrer aux gens qui, dont le travail a été saccagé et dont les liens avec les animaux ont été piétinés si on peut dire, notre soutien. On peut les aider à réparer financièrement ou en donnant du temps, hein. Salut émotif. Ouais, c'est un peu ça, Goyam. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On peut pas se faire la justice à la place de la justice. On peut pas se mettre à la place de la SPA. Ils ont suffisamment, je pense, d'avocats et de professionnels pour les soutenir dans ce genre de démarche. Donc bah on les aide à payer les avocats, on les aide à repayer les croquettes, à retrouver les animaux. Encore une fois, si vous êtes dans la région, allez jeter un coup d'œil à la description des 3 chiens ou 4 chiens qui ont disparu. Pour que si jamais vous les croisez ou que vous voyez quelqu'un qui les vend, vous puissiez faire remonter l'info. Parce qu'en fait, hop, ils sont tous pucés au nom de la SPA, donc ils sont retrouvables. Voilà, ce genre de choses. Salut sur stream. On peut pas refuser une plainte en France normalement, grand migrateur. Même si la police t'encourage à poser des mains courantes, on peut pas te refuser une plainte. Donc si tu insistes et que tu tiens à avoir une plainte, tu peux. Après, il y a sans doute des bonnes raisons que les officiers de police te donneront pour mettre une main courante au lieu d'une plainte. Dans tous les cas, une trace judiciabilisable, voyez-vous. Quand je parlerai français, on sera tous au courant. Une plainte qu'on puisse mettre au niveau judiciaire, je pense que c'est toujours bien. Ça te fait pas pleurer les oignons? Non, ça va. Déjà, la dernière fois, vous aviez été vachement surpris. Mais je pense que c'est parce que... Ah, merci, c'est un follow. Bienvenue, Gomagda. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, live un petit peu spécial, puisqu'en fait, on fait un live cuisine par mois, grâce aux subs, financé par les subs, et dont le menu est choisi par les subs. Le reste du temps, on fait du jeu vidéo ou du créa. Et d'ailleurs, à propos de créa, LV, il faut que je te... Si t'es encore là, il faut que je te fasse des propositions indécentes. Pour te recruter si ça te dit de faire une collab stream, envoie-moi un petit message sur Twitter ou autre et je t'explique tout ça. Tu m'entends super bas. Donc LVCid, je disais que si t'as envie de faire une collab stream et que je t'en dise un peu plus sur cette histoire, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, j'aimerais bien te mettre dans la boucle et te proposer de participer. Donc là, on n'est plus du tout autour du stream cuisine, ni autour du stream pour la SPA, mais c'est autre chose, un autre projet. Ça fait pas beaucoup d'oignons, je sais pas, c'est 2 oignons. Vous croyez que c'est trop? Il y avait écrit 2 oignons, hein, je crois. Ah non, 200 grammes d'oignons. Attendez, on va voir combien ça fait. Tes oignons me donnent faim. Mais c'est l'heure du goûter. Il faut pas manger des oignons au goûter, hein, c'est dommage. Goûter, c'est le seul moment où tu peux manger du sucre sans culpabiliser dans la journée, avec le petit-déj. Ce serait dommage de bouffer des oignons au goûter. Je sais pas si c'est ça, hacher les oignons, mais en tout cas, on fait des petites miettes d'oignons. Alors, 200 grammes d'oignons. Bonjour! Ah bah si, hein, ça va être ça, parce que là, j'ai un oignon et j'ai 100 grammes. un peu plus. Mais j'ai un peu plus d'un oignon aussi. Je pense que c'est 2 oignons, hein. Ouais, c'est 2 oignons. Je sais pas du tout à quelle heure je finis LV, parce que normalement ça aurait été juste le temps de la cuisine. Mais vu que c'est un stream un peu spécial et qu'on veut réunir des sous, je pense que je vais continuer de streamer plus tard. On va voir. Ça me fait rire comment tu découpes l'oignon. Bah, je découpe quoi. Honnêtement, je suis pas du tout une professionnelle en cuisine, vous le savez. Toi-même, tu sais. Donc du coup, bah, je fais du mieux que je peux. Ils sont un peu verts ces oignons, non? C'est normal? Je trouve qu'ils sont un peu verts ces oignons blancs. Ils ont une couleur de pomme un peu. Vous le voyez pas du tout en fait. Tu commences à quelle heure, LV? Dis-moi. Toi, tu commences à quelle heure? Parce que là, je stream au moins jusqu'à 18-19. Facile. Ils ont l'air top, en tout cas super gros. Ils sont, ouais, ils sont... Après, j'ai des petites mains, mais ils sont de la taille de petites pommes. 22h30. Ah oui, bah, je pense que j'aurai fini d'ici là. On peut se donner rendez-vous à 22h, LV, si ça te va? Est-ce que ça te va? Toc. Ou même 21h30 si tu veux. Au pire, je couperai, je relancerai après. Je suis équipée en matériel de cuisine. Ouais, c'est Comet qui a fait en sorte qu'on ait tout ça. Parce que c'est lui qui cuisine en temps normal. Vous le savez, moi je suis pas du tout fan de cuisine à la base. Genre, c'est la deuxième fois que je cuisine depuis bien longtemps. La première, c'était le mois dernier, quand on a fait un goulash et du tiramisu en live. C'était drôle aussi, c'est bien amusé. Il y a le replay sur YouTube, je crois bien. Tac. Vous savez aussi que je vous prépare des trucs sympas pour la semaine d'anniversaire. Ça va être la semaine du 19 février. Donc ça va sûrement commencer le samedi d'avant, c'est-à-dire le 17, jusqu'au 23. Et le 24, il y a une IRL à Dijon, pour ceux qui sont de la région là-bas. Je serai sur Dijon-Besançon. On est en train d'organiser les modalités, etc. Sur Discord. Donc n'hésitez pas à passer sur Discord. Tu t'en vas, Snipe? Ok. Bah repose-toi bien, écoute. Je réponds à ton message en détail dès que je peux. Mais effectivement, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre. Je vais pas pouvoir. Je peux pas t'aider. J'ai pas le droit. Et je te fais plein de bisous. C'est ça, hein, c'est Besançon qui est à côté de Dijon, je dis pas de conneries. Oui, ça Dijon dans le chat, évidemment. Si je parle de Dijon, ça Dijon. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu la table par là. Comme ça, quand je serai en train de couper les oignons, genre je suis encore dans la caméra. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un peu mieux, hein. C'est un peu mieux. Tac. Donc maintenant, on le sait. Quand on fait les lives cuisine, il faudra que je prévoie de mettre... un autre micro que celui-ci. On trouvera. C'est la base des blagues, bah ouais. En même temps, c'est pinage le plus rapide. Alors, on a appris un truc la dernière fois. Enfin, on a appris beaucoup de choses la dernière fois, mais en live cuisine, un des trucs, c'était de tout couper à l'avance. Pour gagner du temps et surtout pour éviter que ça crame pendant que tu es en train de couper le reste. Vu que je coupe pas vite et que je papote en plus. Toi, tu trouves le son correct dans la mesure où c'est pas un micro-cravate, on entend même les bruits de cuisine. C'est ça, ça met dans l'ambiance. Il y a un truc qui est chiant dans la cuisine. C'est qu'on peut pas cuisiner assis, on est obligé d'être debout. Et j'en ai un peu marre d'être debout. Et c'est que le début du live. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire. En fait, j'en ai marre de couper des oignons. Mais comme j'en suis au dernier bout, là, je me remonte le moral. C'est pour ça que je vais de plus en plus lentement. Toi, tu cuisines assis. C'est vrai, après tout, pourquoi on n'a pas le droit de cuisiner assis? On pourrait. Qu'est-ce qui nous en empêche? Bon, hormis là le fait que c'est une table devant laquelle je peux pas m'asseoir. Mais dans l'absolu, pourquoi les gens cuisinent toujours debout? Attention émotif, j'ai peur que ta blague soit glauque. Enfin, j'ai pas peur, je sais que ta blague est glauque, parce que je connais la réponse. Parce que fut une époque, moi aussi, je faisais des blagues glauques. En fait, il faudrait qu'on puisse avoir genre un strapontin dans la cuisine. Hashtag team strapontin. T'as un strapontin dans ta cuisine, comme ça tu peux t'asseoir. Tu découpes. Quand tu te relèves, ça se replie. Il faut pas se rasseoir du coup dans la foulée. Mais comme ça, tu l'as pas dans le passage. Parce que je pense que le principal souci, c'est qu'il y a des trucs pour lesquels c'est mieux d'être debout. Et du coup, on met pas une chaise dans la cuisine. Parce que sinon, ça serait chiant de devoir s'asseoir. C'est ça ? Je sais bien, émotif. Non, elle est drôle quand tu aimes cet humour, mais en fait, après, tu grandis. En tout cas, moi, j'ai... Je sais pas si c'est une question de grandir, mais une question de réaliser un petit peu plus loin que qui on est, nous. Et du coup, tu découvres que c'est drôle pour tout. Ce qui est drôle pour toi n'est pas nécessairement drôle pour tout le monde. Et que du coup, si c'est pas drôle pour tout le monde, est-ce que t'as besoin de rigoler avec ? Ah, mon logo cuisine on se marre en cuisine, il est pas mal hein. J'ai pas remis le titre on se marre en cuisine parce que la dernière fois il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit ouais on se marre pas tellement ici nanana et tout. Alors je dis bon d'accord. Mais comme j'avais déjà fait le logo et que je l'aime bien aussi, je l'ai laissé. J'ai juste pas remis le titre. Tac. Hey salut Kakash. Catastrophe en cuisine. Hashtag catastrophe en cuisine. C'est mon petit nom, catastrophe. Quand je suis en cuisine, je m'appelle catastrophe. Bon, on a fait les oignons. Enfin. Et ben ça va bien, Caca, chez toi. Comment vas-tu? Ensuite, il faut... Alors, il nous dit de faire aussi les carottes, le céleri et les poivrons. Alors, on y va. On va tout mettre... Je pense qu'on peut tout mettre ensemble, non? On va tout mettre ensemble, à mon avis. Faites y revenir l'oignon et l'ail. Ah non, l'oignon et l'ail doivent rester à part. Ensuite, les carottes, le céleri et le poivron. Ok, alors on va mettre l'oignon pour l'instant là-bas. Il n'y a pas d'ail, je rappelle, parce que j'aime pas l'ail. Alors du coup, j'ai pris la recette du chili, mais je la fais à ma sauce. C'est le cas de le dire. Ah, bah voilà. Hashtag cuisinons assis. Attendez, je vais prendre mon tabouret, on va cuisiner assis. Non mais ça sera plus sympa en vrai. Parce que déjà, moi je serais moins saoulée d'être debout. Oh, c'est déprimant. J'ai essayé de faire un... C'est pas déprimant mais c'est chiant. J'ai essayé de faire un petit truc, un bricolage avec du silicone pour faire tenir ma webcam. En haut là, la webcam qui est au-dessus. Et du coup, à la maison, j'ai pas de silicone. Si ce n'est du silicone périmé, dont je peux plus me servir au travail. Donc j'ai pris ce silicone là, périmé, dont je peux plus me servir au travail. Bah figurez-vous que du silicone périmé, ça marche pas. Que du coup, il y a une raison pour laquelle il est périmé. C'est-à-dire que moi, de toute façon, je pouvais pas me poser la question, à partir du moment où il est périmé, je peux plus m'en servir au boulot. Donc je l'avais ramené en me disant oh allez c'est pas parce qu'il est périmé, je suis sûre on pourra bricoler avec. Et ben pas du tout. Une fois qu'il est périmé ça marche plus. Du coup c'est nul. L'ail et surtout son odeur. En même temps, l'avantage de regarder une vidéo, c'est que pour l'instant, t'as pas l'odeur, c'est le stream. Que fait la régie? Écoute, tu sais ce que je me disais au Kakash en lançant le live? C'est que pour les moments où je bats les blancs en neige, par exemple, avec les bruits de machine absolument dégueux, j'aurais voulu mettre de la musique. Sauf que la dernière fois, j'ai mis de la musique et je me suis fait strike, évidemment. Du coup, je me disais si peut-être je pourrais mettre ta musique, si tu t'es ok. Parce que Kakash Rukura, figurez-vous, qui fait de la musique et qui met ça sur YouTube. Et même que parfois, il stream sur Twitch. Du coup, comme ça, j'en profite pour vous dire d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'il fait, parce que c'est vachement chouette, c'est au piano. Et mais du coup, j'ai pas osé le faire en attendant d'avoir ta permission, Kakash. Échalote, oignon, ail. Ouais, je suis complètement d'accord avec cet ordre de priorité, Pinage. Lilybook, bonjour. Alors, coupe ton poivron en rondelles d'abord, c'est plus facile pour en faire des cubes. Perdu. Mais il faut retirer le noyau quand même, non? Ou pas du tout? Alors attendez, je coupe en rondelles comme ça. Non mais en fait j'aime pas trop l'ail, je vais vous dire pourquoi. Peut-être qu'elle va tomber un jour sur ce stream, sur cette rediff en tout cas. C'est que une de mes meilleures amies, qui a été ma coloc pendant très longtemps. Alors comme vous le savez, je cuisine pas. Donc c'est soit ma coloc, soit mon mec, soit Picard, et encore, puis maintenant parce que j'ai plus de congélo, qui cuisine pour moi. Dans la mesure où les gens cuisinent pour moi, je critique pas la cuisine. Je mange ce qu'on me donne à manger, et si j'en veux pas, je dis que j'ai pas faim, mais voilà, je fais pas la fine bouche. Et en fait, mon ancienne coloc, elle mettait beaucoup d'ail, je trouve. Et du coup, depuis, j'essaie de cuisiner sans ail absolument. Mais en fait, je pense que j'aime bien, mais il y en avait vraiment beaucoup. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que merci beaucoup d'avoir cuisiné pour moi pendant des années. C'est pas grave du tout. Donc en rondelle comme ça, on est d'accord? Lily, c'est ça? Là, j'ai fait des rondelles. Imagine, il y a l'autre morceau, tu vois. Faut imaginer. Imagine, il y a l'autre morceau. Et après, je fais des cubes comme ça. Plaque pour plaque, c'est ça? T'as toujours trouvé des colocs qui te font ton miam? Bah en fait, je me suis mis que avec des colocs qui étaient des gens que j'aimais beaucoup, avec qui on s'aimait beaucoup. Et comme je cuisine pas, donc l'autre personne est obligée de cuisiner pour lui ou elle. Et du coup, comme il m'aime beaucoup, il me propose de cuisiner pour moi aussi. Mais du coup, quand ils sont pas là, du coup, quand Kyr n'a pas faim, c'est qu'elle aime pas. Bah peut-être. Pas toujours, mais parfois. Non mais j'ai aussi un petit appétit, donc faut pas compter que sur ça. C'est plus facile des sticks qu'une grande dingue de cuisine. Ah bah voilà, tu es mon opposé en termes de cuisine, Lily. Alors attends. Là on est pas mal. Ou alors tu fais rondelle par rondelle. Comment tu fais normalement? Tac. Tac. Pas du tout, Saif. Pas du tout. Est-ce que t'as récupéré ta trousse de toilette, Saif? Que j'ai confiée. À qui de droit? Comment tu cuisines bien? Oui, très bien. Comme ça, c'est bien. Ok. Bon, je rattrape les cubes qui sont un peu trop gros. Tac. Et du coup, ça, on va le mettre dans le grand bol. Parce qu'il y aura les carottes, il y aura tout sauf les oignons, en fait. Parce que les oignons, il y a écrit qu'il faut les mettre à revenir à feu moyen avec l'ail, mais il n'y aura pas d'ail, jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Et après seulement, on ajoute les carottes, les poivrons et le céleri. Fondue de légumes japonaise et ramen. J'avais grave la motive. Ah oui, je l'ai vu. Je croyais que tu parlais d'un colis de bouffe, Saif. Ah, je croyais que c'était un bout de poivron, mais non. Mm. Mm. Alors, autant en live avec vous, je kiffe. Cuisiner pour quelqu'un d'autre, passe encore, mais je le fais pas souvent. Mais alors cuisiner pour moi toute seule, genre jamais de la vie. Je l'ai fait une fois, parce que ça faisait plusieurs mois que je vivais toute seule. Et je commençais à en avoir marre, enfin plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines plutôt. Merci Kakash pour ton reste. Et je commençais à en avoir marre de bouffer du chocolat. Du coup je me suis fait de la bouffe. Est-ce qu'un jour Comet fera un live cuisine? Peut-être. Il est pas extrêmement bon mon poivron. Je suis un peu déçue. Comment faire? Non mais plusieurs mois que je mangeais du chocolat en fait, ou des cochonneries. Et je me suis fait un truc qui était vachement bon, figurez-vous. En fait, je suis partie d'internet en mettant, vous savez, où on pouvait mettre ce qu'on avait dans son frigo et il nous donnait une recette. Alors, j'ai mis ce que j'avais dans mon frigo. Et en fait, j'ai pas trouvé de recette que j'aimais bien. Du coup, j'ai pris une recette qui ressemblait. C'est-à-dire que c'était genre poulet au pruneau et au riz, enfin riz, poulet au pruneau, un truc comme ça, vous voyez. J'avais du riz, j'avais du poulet. Non, c'était du porc normalement dans la recette. J'avais du poulet, j'ai fait avec du poulet. J'avais pas de pruneaux mais j'avais des figues, alors j'ai fait avec des figues. J'ai mis du miel. C'était vachement bon. Après, on a eu un gros débat sucré-salé la dernière fois déjà. Oui, merci Kichou. On a eu un gros débat la dernière fois sur le sucré-salé, donc on peut continuer à en débattre si vous voulez. Lily, j'ai pas pris de tofu parce que j'aime pas le tofu. Enfin, j'aime pas. Je suis pas hyper fan. Du coup, je me suis dit qu'il y aurait pas de tofu. C'est pas grave. Ça va être une poêlée de légumes, quoi. Avec des haricots rouges. C'est quand même un peu du chili ou pas du tout? Qui avait fait ce qui traînait, j'ai mis dedans. Bah c'est un peu ça, grand migrateur. Dans la famille on appelle ça un fousitou. Ma mère elle fait des vachement bons fousitou. Mais moi c'était un petit peu expérimental. Mais c'était pas mal hein. C'était pas mal. Mais le problème c'est que c'était pour moi toute seule donc il n'y a aucun témoin. Ou alors ils sont tous morts, vous ne saurez jamais. Bref, il n'y a aucun témoin. Donc il n'y a personne pour dire que je cuisine pas trop mal. Peut-être parce que c'est pas vrai, que je cuisine pas trop mal. Mais pour l'instant ça va, la découpe de légumes je m'en sors. Comme vous pouvez le constater, je ne me suis pas encore blessée. Alors, on va couper direct en rondelles, on va voir si on s'en sort. 15 minutes pour faire un poivron, c'est pas mal. Mais en même temps c'est parce qu'on papote, tout ça, c'est plus sympa comme ça. Prends-le comme un compliment, il est cuisiné. Ah oui! Alors on n'est pas dans la même cour alors, ton père et moi. Alors, d'après Lily, le fait de couper en rondelles, c'est plus facile de retirer le noyau. Donc moi, bête et disciplinée, parce que c'est le concept de ce stream, c'est que vous m'apprenez à cuisiner. Je coupe en rondelles. Je pense que c'est à ce moment-là où il y a un truc que je suis censée faire, non? Je continue à couper en rondelles, même s'il y a des miettes. Des miettes, des grains. Vaut mieux que je fasse un truc avec les grains. Tombe. Non? Faut que je retire le noyau, non? Sinon tu mangerais le lendemain. C'est ça. Non mais c'est parce qu'on papote. C'est le stream. On est beaucoup moins efficace quand on stream. Toi-même tu sais. Le poivron, pas du tout. Moi, j'aime bien le poivron. Je suppose que ça se voit puisque depuis tout à l'heure, je pique sur la planche. J'aime bien le poivron. En vrai, il y aura que des trucs que j'aime bien là, parce que j'aime bien les champis aussi. Ceux-là, là. pas les champis de drogue. Ça, ça se mange. Ça donne envie de faire du poivron au barbecue. Bah voilà. Pas trop la saison du barbecue quand même. C'est pas mal. C'est un peu un goût. Le cœur là. Ça n'a pas du tout le même goût que le poivron. C'est un peu un goût de courgette. Oui, parce que je mange de la courgette crue aussi. C'est vachement bon la courgette crue, alors rigolez pas. Je crois que je vais manger ça encore. On va retirer les grains. Exactement, pinage. Voilà, du coup, Comet et ma coloc. C'est marrant, ça a vraiment un goût très différent du reste du poivron. Celui-là, il avait un goût d'herbe un peu. Pas que je mange souvent de l'herbe, mais fut un temps, bien entendu, comme tout le monde. Alors, avant que ma mère m'attrape par la peau du cou pour me dire « Retire ça de ta bouche !» J'ai dû passer par la phase où je bouffais de l'herbe. Je pense que tu peux le manger en vinaigrette. Écoute, c'est pas mal, hein. C'est un peu, tout petit peu farineux, mais pas, pas dans le mauvais sens du terme. Mais non, mais vous savez bien, à l'époque où on met un peu tout et n'importe quoi dans sa bouche, là. Comment ça s'appelle? C'est freudien ça. Au miel, sirop d'érable avec de la moutarde à l'ancienne, c'est une tuerie. Tu fais moutarde et miel en même temps? Ça, j'aurais pas essayé. Autant je mets facilement du miel dans tout et n'importe quoi. Autant j'aurais pas pensé tenter la... C'est comme ça hein, que tu voulais que je coupe en rondelles? Ou pas du tout? Enfin que je me serve de la rondelle. Pour couper. Ah mais je vais même faire comme ça. Voilà. Vachement plus pratique. Tac. Moutarde et miel c'est connu. Ah bon? Je connaissais pas du tout. C'est parfait. Freud, il a dit pas mal de conneries, je confirme. N'empêche qu'il y a une époque dans la vie de chacun où on met tout dans sa bouche. Moutarde à l'ancienne, plus douce que la classique. D'accord. Vous voyez, ça par exemple, je savais pas. C'est comme l'histoire des chips à l'ancienne ou pas, je sais pas trop la différence. En même temps, enfin si, les chips à l'ancienne doivent être meilleurs, mais... En même temps, comme je mange pas trop de chips. Mon chips à l'ancienne, j'ai l'impression que c'est surtout pour que ça soit plus cher qu'ils mettent ça sur le paquet. Ces petits trucs là, c'est pas très bon. Je partage avec vous mes expériences, hein, tant qu'à faire. Lâche con. Mais non, on est con toute sa vie. Fais pas confiance à ConceptBot qui cache, il dit n'importe quoi. Je pense que tu le sais, mais... C'est ça, brave bête, ConceptBot. C'est ça, le paquet il est marron couleur carton, et du coup il coûte plus cher. On est d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Est-ce que les chips à l'ancienne sont à la moutarde à l'ancienne? Je sais pas. On met de la moutarde pour faire des chips? Je sais pas. Je ne me prononcerai pas, étant donné mes non-compétences culinaires. On va laisser ceux qui s'y connaissent en cuisine répondre à la question. Est-ce que vous, quand vous cuisinez des frites, vous mettez de la moutarde dedans? Dans la cuisson des frites, pas... Ou dans la confection des frites, pas après, en sauce, sans doute en sauce. Alors attendez, j'essaie de faire comme ça m'a été recommandé, c'est-à-dire retirer les pointes avec les doigts. Hop. Parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, j'en fais qu'à ma tête. Alors au lieu d'appliquer ce qu'on me donne comme conseils avisés, ensuite je fais comme ça. Tac. Oula. Je fais du lancer de poivron. Ah, c'est bon. Juste celui-là qui a sauté. Voilà. On y retourne. Petit coin, petit coin, petit coin. La chips tradie, c'est sans rien. Après la moutarde, tu peux. Dans la cuisson, tu mets la moutarde? Ou c'est après? En assaisonnement. En assaisonnement, je pense que oui, mais... Cache, tu voulais faire de la musique pour la semaine d'anniversaire ou pas? En février, là. En live. Où tu veux faire des jeux. Où tu veux pas venir. T'as le droit de pas venir. Ah oui, en assaisonnement, c'est ça. Ça doit être des chips faites avec des vraies pommes de terre et pas avec des flocons. Les chips, elles sont faites avec des flocons de pommes de terre reformés en forme de pommes de terre, c'est ça? Pour être calibré. C'est terrible. Les meilleurs chips, c'est crème d'oignon. Je mange pas assez de chips pour avoir des préférés en fait. Tac et tac. Dernier bout de poivron. Eh, c'est un hand spinner poivron. Attendez. Il n'est pas équilibré. Est-ce qu'on doit découper le hand spinner poivron ou pas? Oh, j'ai fait un trou. Ça marche pas. C'est nul. Salut The Caras. Oui, c'est en février. J'arrive pas. On joue pas avec la nourriture. Non, mais on va la manger. On va jouer et manger. En vrai, si on mange, est-ce que... Ah oui, tiens, parlons éthique un petit peu. Est-ce que ça reste éthique? Est-ce que vraiment, c'est problématique de jouer avec la nourriture si derrière tu la manges quand même? Parce que le problème... Surtout, c'est qu'une fois que les gamins ont joué avec la nourriture, elle est plus mangeable. Genre, elle est par terre, ou dans la figure de papa-maman, ou sur la veste de leur grand frère ou grande sœur, ou informe au fond de l'assiette, mais du coup, ils n'ont plus envie de la manger. Est-ce que dans la mesure où tu le manges quand même derrière, il faut quand même ne pas, ne pas jouer avec la nourriture? Ah. Non, dans la mesure où tu peux le manger sans tomber malade, et où tu vas le faire. Est-ce que ça reste unethical? Non éthique. De faire des hand spinners en poivron vert. Hein? Je vous le demande. Moi je pense qu'on peut faire du hand spinner en poivron vert à condition de manger après son poivron. Ah merci, pinage aussi. Tant qu'on le mange après, il n'y a pas de raison. C'est quoi le nom de la recette? On fait du chili sans viande et sans tofu. On fait du chili végétarien sans viande, sans tofu, sans ail, sans piment, sans cumin. Qu'est-ce que j'ai retiré encore? Je sais pas si j'ai de la cassonade, je crois pas. Ah si, la cassonade c'est du sucre roux. Je crois que j'en ai. On joue pas avec la nourriture, sauf si c'est elle qui commence. Non mais c'est ça! Il est provocateur aussi ce poivron à avoir une forme de hand spinner, non? En vrai. Si on me sert de la nourriture avec laquelle on a joué sans me dire comment, j'ai des doutes, donc je dis non. Non mais toi tu joues avec ta nourriture et tu la manges ensuite. Parce que si on peut pas jouer avec la nourriture, ça veut dire qu'on peut même pas faire l'avion. C'est triste. Scran, pourquoi t'es fâché? Il y aura chili sans rien. Si, il y aura des haricots rouges, des oignons, des poivrons, des carottes, des champignons, un tout petit peu de fromage mais pas trop parce que j'aime pas ça, du céleri parce que j'adore et que c'est dans la recette, un peu d'eau, de l'huile d'olive, j'ai pas vu le reste. J'ai pas déroulé la recette et je suis assise, j'ai pas envie de me lever tout de suite. Toi aussi tu fais l'avion? Alors non. Pina, je suis désolée, je sais que ça t'aurait fait très plaisir que je te soutienne. Je ne peux pas mentir à ma communauté en disant que je fais l'avion. Je ne fais plus l'avion depuis bien longtemps. Mais je fais faire l'avion de temps en temps à mes petits neveux et nièces quand il faut les nourrir, effectivement. C'est plutôt rare. Vroom. Oh, regarde, t'es pas seule, il y a Kakash avec toi. Bah ouais, c'est ça, Lily. Quoi, tu ne fais plus l'avion? Bah non. Non, non. Je mange. De toute façon, vous me voyez manger la plupart du temps. Je suis en stream quand je mange. Vous savez très bien comment je mange. En vrai, c'est vachement bon le cœur blanc, là. C'est une belle découverte pour moi. C'est ça peut-être le truc quand on cuisine soi-même, c'est qu'on goûte tous les morceaux. Alors que celui qui va goûter ce que j'aurais cuisiné, bah il va goûter du poivron moins tout ce que j'ai déjà mangé, voyez-vous. Est-ce que je fais des châteaux en purée? Non. Mais je milite pour qu'on ait le droit d'en faire sans que ça soit être considéré comme jouer avec la nourriture et interdit. Non, je dessine rien dans les bouillons avec ma sauce. Non, en vrai, je suis hyper pragmatique. Je suis une gamine dans ma tête, mais avec la nourriture, je crois que je suis hyper pragmatique en vrai. Des vermicelles d'alphabet, c'est vrai, fait pour ça. C'est vrai. Il n'y aurait pas de vermicelles à l'alphabet si on n'avait pas le droit de jouer avec la nourriture tant qu'on la mange. On est bien d'accord. Tu fais pas des châteaux en purée, choqué, déçu, unfollow. Ah ouais. C'est des tirs. J'ai pas fait tut-tut, j'ai fait tut-tut-tut-tut. Pardon, pardon. Mais je fais pas très bien les bruitages comme tu le vois. Je t'invite à venir faire les bruitages en live, si tu veux. Bref, tout ça pour dire, mesdames et messieurs là, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on cuisine pas de l'animal. Et ça tombe bien parce qu'on récolte des sous pour la SPA qui doit réparer les dégâts causés dans un de ses refuges à Cholet, c'est à côté de Nantes, par des vandales dans la nuit de mercredi à jeudi, qui ont tout démoli et qui ont tué des animaux sur place à coups. C'est même pas, ils les ont tués. Genre, tu fais bien fait, propre. Autant me dire, quoi. Enfin, si on peut dire qu'on peut le faire propre. Ils les ont tabassés à mort. 2 chats, terroriser le reste du chenil et de la... Comment ça s'appelle un chenil où il y a des chats? Le reste du refuge de chats. Et donc on récolte les sous pour qu'ils puissent rattraper un peu les dégâts. Et on va vous mettre la commande .SPA dans le chat, pour que vous puissiez avoir le lien si vous voulez soutenir en donnant quelques sous. Hey, salut Helsing! Tu es vite fait, bien fait, propre. Non, mais évidemment, c'est pas ça que j'ai dit. Enfin, il y a les vétos qui savent tuer des animaux, puis il y a les vandales qui les tuent à coups de pompe, vous voyez. D'ailleurs, on ne dit pas tuer des animaux quand c'est des vétos, on dit euthanasier. Et ça a beau être tout aussi triste, au moins c'est un peu plus moral. Si ce n'est complètement moral. Tac! Une chatterie. Bonjour Starfish, bienvenue. Une chatterie. C'est marrant, c'est la première fois que j'entends ce nom. Enfin que je vois ce mot. Une chatterie. Et oui, parce qu'une chatière, c'est pas ça. Une chatière, c'est une petite porte. Et comment ça s'appelle une chatière pour chien? La fille qui a les questions ultimes du jour. Question ultime du jour. Maintenant qu'on sait comment s'appelle un chenil pour chat, qui s'appelle une chatterie. Merci Starfish. Starfish, aurais-tu la réponse? Comment on appelle une chatière pour chien? Un trou dans une porte. Non. Une chatière aussi. Ah. Ah. Voilà la discrimination. Bah alors faut pas tout casser ce crâne, sinon on n'a rien gagné. Chantre? Non, un chantre c'est pour les vestes. C'est pour suspendre les vestes. Une canichière. Qu'est-ce que vous en dites? Une canichière. Parce que, en vrai, les grands chiens, ils passent par les portes. Donc c'est forcément une porte pour caniche. Du coup, une canichière. Qu'est-ce que vous en dites? Viens refaire la langue française avec Kyr. Toujours cacache. Je te suivrai. Je te suivrai. Dadidadadou. Je te suivrai. Dadidou dada. Alors. Les cœurs. On rappelle que pour avoir ce magnifique cœur, il faut être sub. Et ceci n'est pas un appel spécialement à vous sub. Si ce n'est que si vous êtes sub, vous pourrez choisir le menu pour le prochain live cuisine. Ah ouais, j'avais un thème à vous proposer les subs d'ailleurs. Pour le prochain live cuisine, qui sera donc en février, sans doute autour du 15, 16, 17, dans ces eaux-là. Peut-être du 20, je sais pas encore. Je voulais vous proposer repas de saison. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'en février, on sait pas trop ce qui est de saison ou pas de saison. Donc je trouvais que ça serait cool de faire un truc spécial, plat de saison, au mois de février. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est trop dur ou pas? C'est vrai. On invisibilise les minorités pinage, t'as raison. Tu seras étonné de voir la taille de certaines chatières pour chiens. En même temps, si c'est une chatière qui laisse passer... Enfin, une chatière pour chien. Qui laisse passer une CPC qui laisse passer un labrador, pour finir ma phrase, ça veut dire que les voleurs du coin, ils passent aussi, quoi. C'est un peu dommage. Oh, il y a la chandeleur en février, c'est vrai. Voyez-vous ce qui est en train de se passer dans mon cerveau, là, ou pas? Trinadire, bonjour, bienvenue. Oh, on fait des crêpes. Tu le cuis, c'est gagné. Oh, c'est quel jour la chandeleur? On refait un intégral de fraises. Pourquoi? Tac. Vous savez que j'ai pas regardé Friends du tout de ma vie. Il y a un perso qui s'appelle Chandler, c'est ça? Des galettes et des crêpes. J'aime pas les galettes. Heureusement que Témet est pas là. Sinon il me renierait. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je préfère les crêpes. En vrai. 2 février. Ah, c'est trop tôt. Tu rates pas grand chose. C'est ça. C'est ce que me disaient mes parents aussi à l'époque. D'accord. 2 février, c'est un peu trop tôt parce que le live cuisine, il va être, je vous dis, autour du 20 plutôt. Parce qu'idéalement, vu qu'il y a une IRL à Dijon et... Ah oui, parce que du coup, pendant la semaine anniversaire, on récoltera des sous aussi pour ceux qui veulent donner pour la chaîne, pour aller faire des IRL un peu partout en France, comme on avait fait à notre premier anniversaire. Ce qui nous avait permis de faire une dizaine d'IRL partout en France, c'était vachement cool. Donc on referait ça. Et ça commencerait avec Dijon et Besançon. Et du coup, je me disais que je pourrais faire mon live de cuisine juste avant. Comme ça, Dijon et Besançon, je pourrais leur amener ma cuisine. C'est l'essentiel. Non, j'ai pas dit que j'aimais... Si, j'ai dit que j'aimais pas les galettes, mais après je me suis corrigée. Et j'ai dit, je préfère les crêpes. Vous avez un peu de retard ou c'est moi qui ai un peu d'avance? Actuellement, le dernier message que je viens de voir, c'est 4h37. Dites-moi à quelle heure vous écrivez, à quelle heure vous m'entendez dire ça, pour que je sache quel est le décalage. Crêpes salées, façon Faritas, gâteau de crêpes au Nutella. Alors, gâteau de crêpes, il avait été proposé par les subs pour être fait aujourd'hui. Finalement, c'est la mousse au chocolat qui a gagné. On a fait la mousse au chocolat. Mais le gâteau de crêpes a réuni quand même 4 voix, je crois. 3 voix. C'est la mousse au chocolat qui a gagné avec 4 voix. Ah, ça va, bah on n'a qu'une seule minute de retard. Parce que là, il est 38 chez moi. On a une minute et quelques de retard. On a commencé à cuisiner à 3h. On a mis 40 minutes pour faire une mousse au chocolat. J'adore parce que dans le temps de préparation, il y avait écrit 15 minutes. Mais bon, on papote, Voilà. On peut pas expédier les choses non plus, quoi. Et si c'est pas la grande distribution, c'est fait main, c'est du petit artisan. « 8 secondes de décalage, putain, c'est ouf. » Moins d'une minute pour moi. Chez moi aussi, il est 38. Ouais, c'est ça, moins d'une minute parce que là, il est encore 38 chez moi. Tac. Tac. On a fini les poivrons! J'ai perdu un petit bout. Bon. Après les poivrons, les carottes, le céleri encore. J'ai bien fait de m'asseoir. Moi, je vous le dis, j'ai bien fait de m'asseoir. Latence diffuseur, 8 secondes. Poivron d'aune, exactement. Un petit bout de poivron qui était coincé dans la gorge. Alors, vous savez ce qu'on a acheté aussi quand on allait faire les courses? On a acheté du radis blanc. C'est trop bon. Aïe, mes genoux. Et des champis. Ah ouais, il y a des champis aussi, j'avais oublié. Mais alors, il faut que je retire le dessus parce que... Ils étaient au supermarché comme ça, il y avait tout le monde qui les tâtait. Qui les tâtait tâtons. Alors, je me suis fait la remarque qu'il faudrait retirer le dessus. Au moment de les cuisiner. J'ai pris des champignons à farcir parce qu'ils sont plus gros. Mais ça se mange aussi, hein. Même si on les farcit pas. C'est so japonais. C'est vrai, c'est japonais le radis blanc. Vous savez comment j'ai découvert ce Noël? Il y a mes neveux qui habitent à la ferme et qui cultivent du blé. Qui en ont ramené parce qu'en fait, c'est ce qu'ils mettent dans les champs entre deux cultivations. Pour pas que le champ soit à l'abandon, ils font pousser du radis. Entre deux plantations. Enfin, je veux pas dire trop de conneries parce que en vrai, j'en sais pas beaucoup plus, mais en gros, ils avaient du radis et du coup, ils le ramassent au milieu des champs. Easy, quoi. Et le radis noir, tu connais? Ouais, ça ressemble un peu à du boudin noir, d'ailleurs. Mais je préfère le... Enfin, le radis blanc, c'était ma découverte, quoi. Je connaissais déjà le radis noir avant. Le radis n'appauvrit pas le sol, donc oui, on pose du radis. Bah voilà. Merci Guillaume, qui en plus d'être kiné, c'est aussi la culture du radis. Moi, j'y connais rien du tout. Je vous raconte ce qu'ils m'ont raconté. Du coup, ils sont arrivés avec des big radis blancs à Noël. Et c'était trop bon. Comment ça, ça ressemble à du boudin noir? Ceux qu'il y avait au magasin, ils ressemblaient un peu à des gros boudins noirs. Le radis blanc, il fait un jus vachement bon quand tu le coupes. Je pense que c'est ça la différence. Enfin, moi, je trouve que c'est ça la différence. Je pense que je vais devoir retirer les pieds, non? Qu'est-ce que vous en dites? Quand vous avez un champignon qui est d'hygiène douteuse, vous coupez le pied aussi ou pas? Je parle des champignons qui se mangent, pas ceux que vous avez sur la peau. Qu'en pensez-vous? Hein? Déjà, c'est une moisissure. Oui, voilà. Une moisissure aussi, on peut en avoir sous les ongles. J'ai pas de champignons sur la peau. J'irai pas vérifier. Cacache, tracasse pas. Les champignons sur la peau ne se mangent pas, je note. Exactement. Tu peux noter, grand migrateur. Prends des notes. Je les lave, les champignons. Alors là, je les avais lavés. Mais je préfère en plus les éplucher. Parce que bon, ils s'étaient un peu cracra. Je les ai lavés, je les ai passés sous l'eau. On est d'accord que quand on lave des légumes sous l'eau ou des champignons, on met pas de savon. Ni de... Hein? Donc du coup, c'est pas hyper lavé non plus en vrai. Bah, le problème de les laver, il faut le faire juste avant de cuisiner parce que sinon ils aiment pas l'eau, les champignons. C'est ça? Faut pas les laver quand tu rentres du marché. Sinon ils sont dans l'humidité après. Tu passes au vinaigre. Ah, c'est pas idiot ça. Bonsoir Oli, bienvenue. Ah, c'est rigolo de dire bonsoir Oli. Pardon. Ça vire hystérie collective. Les champignons se remplissent d'eau. Du coup, dans ta recette, ça va rendre masse d'eau. Oui, c'est ça. Donc tu les passes juste sous l'eau vite fait pour les rincer. Mais tu peux pas les faire tremper pour les nettoyer propres. Tiens, c'est marrant comment il s'épluche celui-là. De toute façon, le champignon, ça rend masse d'eau, non? Quand ça réduit. Parce que là, c'est tout gonflé et tout. Mais en vrai, après, quand tu vas le mettre à la cuire, il y en aura partout. Salut Amla, salut le Pérou. Alors, je profite qu'il y a plein de nouveaux arrivants sur le live. Pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est un live cuisine. C'est déjà très exceptionnel, c'est une fois par mois. Mais en plus, c'est un live cuisine particulier puisqu'on récolte des sous pour la SPA de Cholet qui s'est fait vandaliser. Et à qui on témoigne notre soutien grâce à l'intervention de Mythic Trinity, qui nous a organisé un petit lien de donation. Vous trouverez le lien grâce au modo dans le chat. Et de façon à ce qu'on récolte des sous pour réparer un peu les dégâts du vandale. Des vandales d'ailleurs. Puisqu'il y a quand même des dégâts animaux et matériels. Je me demande si les champignons... Je sais pas trop comment il faut les couper en fait. C'est pas écrit. Genre on les coupe comme le reste. Qu'est-ce que vous en dites? Bon. On va faire comme ça. Hein. On va les couper comme le reste. On verra bien. Mmh. On fait un chili végétarien sans tofu. Mmh. Trop bon. Alors je les laisse en lamelles ou j'ai fait une connerie en les coupant en la lamelle, faut que je les recoupe autrement les autres. C'est quoi la protéine dans ton plat? J'ai plein de protéines végétales. Il y aura du riz aussi. Mais c'est pas des protéines. Mais il y aura du riz. En lamelles. Ok. Ah du j'ai vendu. Est-ce qu'on fait quelque chose pour le pied ou pas? J'ai coupé le bout. On va dire qu'il était protégé. Je pense qu'il était à peu près protégé par là. On met les pieds dans les champignons. Hein. C'est ça qui est bon. Je sais bien, grand migrateur. En fait, si, tout truc vivant contient des protéines, mais pas des protéines forcément. Quand on parle d'alimentation, c'est pas les mêmes. Mais les protéines, c'est tout, c'est des protéines. Les haricots rouges, ça sera des protéines. Bah voilà! Laisse-le s'il est beau. Bah il est beau, mais c'est le champignon qui était un peu cracra quand je l'ai pris. Mais le pied, il est beau. Je coupe le bout. Elle est où ta vitamine B12? Ce matin, j'ai pris un grand verre de jus d'orange fait par amour. D'ailleurs, si Comet, il était encore dans le coin, peut-être qu'il pourrait nous refaire un verre de jus d'orange si je lui demandais gentiment. Vous croyez qu'il m'entend? Il va faire comme s'il ne m'entendait pas si jamais il n'a pas envie de le faire. C'est vachement bien, c'est beaucoup plus facile, ça va plus vite. C'est vachement rigolo comme texture la peau de champignon. Je me demande si on pourrait en faire quelque chose. En bricolage, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai absolument aucune certitude non plus au lit. Je voulais faire genre, mais t'as le droit de me démentir si c'est faux. Va falloir en bouffer du haricot. Voilà. Je suis sûre que c'est plein de fer aussi. Moi qui suis en manque de fer tout le temps. On nous faisait bouffer des lentilles, mais les lentilles ça sert à rien. C'est que dans la viande, à moins que l'orange soit une viande. On sait pas. On sait pas. On sait pas tout, mesdames et messieurs, on ne sait pas tout. J'ai entendu Comet bouger, j'ai cru qu'il allait me faire mon jus d'orange. Mais après il s'est rassis. Il est sur ses jeux, Pinage. Ah, on a fini les trucs. Maintenant les carottes, je vais chercher de quoi les plucher. J'arrive. D'orange. Oh, Lindo Reiwo qui sub. Qui resub, pardon. Merci pour ton resub, Lindo Reiwo. Oublie pas que comme tu es sub, tu peux aller sur Discord choisir le plat. Je sais pas si t'es passé sur Discord déjà. Un peu comme l'iode, on rajoute volontairement des l'iodes dans le sel pour que les gens ils aient assez d'iode, c'est ça? Combien on met de carottes? 4. Il faut mettre 200 grammes. GG le resub, merci. Donc ouais, je proposais plat de saison. Bon, ah, en vrai, on fait ce qu'on veut, hein. En vrai, on fait ce qu'on veut. Bon bah 200 grammes, dis donc, c'est 2 carottes, c'est tout? Oh bah 2 carottes. C'est pas grand chose. Ah non, il dit même 100 grammes, c'est une carotte. On va s'en faire une autre à manger. L'iode, ça sert au fonctionnement de la thyroïde. Ouais, c'est même que c'est vachement important pour le développement du cerveau des tout bébés. Que la maman soit pas en carence d'iode. Sinon, ça craint. Alors dans le sel, ils rajoutent de l'iode, puisque tout le monde sale. Parce que sinon, quand on habitait dans les Alpes et qu'on mangeait que des trucs de produits locaux, avant que ça soit mainstream, bien sûr, et avant que ça soit à la mode, eh ben on devenait des crétins. Au sens médical du terme. Ça veut dire qu'on manquait d'iode. Qu'on faisait des thyroïdies bordéliques. C'est hyper important. Parce que les problèmes de thyroïde, ça fait des gens qui dépriment, ça fait des gens qui ont des problèmes de poids. Choupette, tu peux arrêter de mâchouiller du plastique, s'il te plaît? Choupette, coup de carotte. Allez, arrête. Tu veux un bout de carotte? Elle aime pas la carotte. Donc on a dit une carotte. Mon chat qui bouffe du plastique toujours. Je vous jure. Elle me fait peur. Une fois j'ai dû aller lui chercher au fond de la gorge un bout de plastique du coup. Cette débilos là. Parce qu'en plus elle l'avait avalé comme ça. Du coup quand elle respirait ça se gonflait, ça se dégonflait. Elle m'a fait peur. Non, en vrai elle m'a fait peur ce jour là. Ah ça je savais pas. Un grand bol de pétrole le matin. Le problème c'est que le gras d'origine naturelle animale, il est vachement allergène. Chez les gens qui ont des allergies, tu peux être sûr qu'ils vont avoir une allergie au gras animal appliqué sur la peau. Enfin nous c'est ce qu'on nous a appris. La lanoline et tout ça, faut se méfier parce que c'est le gras de la laine de cochon là. La fameuse laine de cochon. La laine de mouton je veux dire. Bah ça fait des allergies. Utiliser du beurre de Bretagne. C'est ça. Y'a pas une époque où on mettait du miel sur les plaies aussi? Ah, on commence à être pas mal là. Il nous restera le céleri. Et après ça, on est bon. Non, je crois pas que ça se fasse. Pas dans beaucoup de services, en tout cas. Toujours meilleur cru, je suis complètement d'accord. J'avais des questions pour vous sur le céleri parce que ça va être la première fois que j'en cuisine et donc voilà comment ça se présente. Alors j'ai retiré tous les morceaux qui étaient pétés au bout, qui étaient moches, J'avais des morceaux mous, un peu périmés et tout. Donc j'ai tout coupé. Mais on est bien d'accord qu'on mange juste la tige. On mange pas les feuilles. J'ai un beau bouquet là. Sur les mêmes plats. Genre, est-ce que on mange juste la tige? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Et genre là, tout ça, je peux quand même manger, même si c'est blanc, c'est pas encore vert. Et est-ce que ça, qui est un peu marron, mais qui est ferme quand même, je peux le manger? Ça sent trop bon, j'adore. Alors là, j'en ai aucune idée, pinage et grand migrateur. Je suis allée au rayon fruits et légumes, j'ai regardé sous céleri et j'ai pris une botte de céleri. Mais ça, je sais que j'aime bien parce que ça m'est déjà arrivé d'en manger comme ça. Mon chat. Choupette. Vous voulez voir un chat qui boit du plastique ou pas? Alors, tu coupes en deux ou trois le bas. Tu coupes des tronçons, ça fait comme des lunes. Enlève les feuilles, garde-les pour la soupe ou la bolognaise. D'accord. Et on peut tout manger. Ok. Ok. Même si c'est un peu marron, on s'en fout. J'ai retiré toutes les parties qui étaient molles. Mais là, c'est un peu marron, pas mou. Alors. Du coup, je coupe ça. On va laisser de côté. Alors, c'est pareil, du céleri, il en faut 70 grammes. Ça va être rien du tout sur ma botte de céleri. Parce que j'ai une botte de céleri. Je vais rien pouvoir en faire. C'est ça. Qui va me dire. Ah ouais. 70 grammes, ça fait une branche. Le céleri rond, c'est celui qu'on mange en rémoulade. Branche, tu coupes juste les branches et repousses comme la rhubarbe. Hein? Il y a un grand débat pour savoir si c'est la même plante ou pas dans le chat. Vous nous tiendrez au courant quand vous aurez tranché. Sans doute grâce à Google, je compte sur vous. Hop. Alors. Bon, alors du coup, si c'est qu'une seule branche, autant que je prenne la plus belle. Celle-ci, la plus belle. C'est un peu de l'eugénisme de branche de céleri, mais... vous comprendrez aisément mon point de vue, hein. On va prendre deux petites belles. Comme ça. C'est sûr que c'est pas la même plante, ma mère cultive les deux. Ah, voilà, on va faire confiance à Oli. Attendez, parce que je crois que j'ai pesé avec les feuilles tout à l'heure. Non, je crois que j'ai pesé avec les feuilles, les branches. Ouais, c'est ça, ça fait deux branches, 70 grammes de céleri. Hop. Donc on fait des demi-lunes. C'est deux races d'une même espèce. Ok. En barquette? Comment ça en barquette? Moi, si tu me parles de barquette, je comprends les barquettes en plastique du supermarché. Alors, je suppose que c'est pas de ça que tu parles, Lily. Ah, ou alors tu veux dire que tu fais une barque comme ça, avec du thon dedans? Pas du tout. C'est trop bon le céleri. Céleri et fenouil, c'est deux trucs que j'adore manger. Pas en grande quantité, mais au milieu du reste. Hop! Voilà! Bon, bah, je crois qu'on est pas mal. Je vais aller égoutter les haricots, quand on parle français. Ah, faut que je retire les champignons. Voilà, les champignons sont sauvés. Alors, je vais goûter les haricots, je reviens. Et il y a les tomates aussi. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse des tomates? En dé à la fin. Ok. Bon, je vais goûter ça. Je vais goûter les tomates aussi comme ça fait. j'ai goûté les haricots. Alors, ça disait dans le chat, pour les légumes de saison en février, tu as les choux. Bah après, si on dit plat de saison... Oh, il y a eu un follow pendant que j'étais pas là. The Dark du BG. Bienvenue. J'en ai plus besoin, merci. Donc, la question qui se pose... Ça roule, Lilo, raison de plus. Bon appétit à toi. Enfin, bonne cuisine. Encore bon appétit. Je sais plus ce que je demandais. Bienvenue jeu d'arc du BG. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si, le plat de saison, la question en fait, c'est... pour le coup, ça peut être non végé. Et là, c'est végé parce que c'était la contrainte. Mais moi, je mange non végé. Donc on peut cuisiner non végé. Après, ça m'ennuie pas de cuisiner que du végé. Je m'en fous complètement. C'est le moment que vous attendiez tous, le moment de la casserole. Alors, je suis embêtée avec ça. On va mettre ça là-dedans. Voilà. Ça, on va s'en servir pour mettre les déchets. Tac. Voilà. Tu me débarrasses de ça ou pas? Non. Bienvenue. Vous arrivez au moment où on va passer à la cuisson du chili végétarien façon Kyreelle, c'est-à-dire sans tofu. Chili without tofu, without carne. Sans tofu, sans viande. Ça s'allume déjà, c'est plutôt bon signe. Ensuite... casserole. Et donc là, on y est. Chauffer l'huile à feu moyen dans un poêlon. C'est pas du tout un poêlon, ça. Merci. C'est pas du tout un poêlon, ça. Je sais même pas ce que c'est un poêlon. Moi non plus, je sais pas ce que c'est qu'un poêlon. C'est un poêlon, ça, ou pas? Peut-être dans une poêle. Une poêle, ça ressemble à... quand même. Poêlon. Pour faire revenir l'oignon. Bon, si ça marche dans une poêle, ça marche dans ça aussi. Allez, à juger. Hop, on va utiliser un peu d'huile d'olive. On a dit combien d'huile d'olive? 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. Non, il y aura quand même les haricots. Merci. Tard au lit. Oli m'a dit de prendre une poêle. Je peux trouver la poêle. Trop tard. Si ça marche dans une poêle, ça marche dans une casserole. J'ai décidé. Ferme-le s'il te plaît. Oui, oui, ça vient. Ensuite. Merci. C'est pour faire revenir l'oignon. On peut faire revenir de l'oignon dans un fond de... dans un fond de casserole. Un feu moyen, je suis sur 6, donc c'est 3. Faut que j'attende que ça chauffe. Avant de pouvoir mettre les oignons dedans. Ça, ça va pas dedans. Ça non plus. Je fais le tri un peu sur la planche. En fait, le plus long, c'était de tout couper. Parce que j'ai l'impression que ça va aller vite, la cuisson. Reviens! que tu existes. Et j'ai crié, crié, oignon, pour qu'il revienne. Oignon. Pardon. J'arrête. Est-ce que je peux avoir une cuillère en bois, s'il te plaît? Bon. Je vais chercher une cuillère en bois. J'arrive. Alors, attends que ça chauffe. Oui, oui, ça chauffe, ça chauffe. On va mettre ça par là, comme ça, ce sera pas dans le passage. Et on va remonter un peu la caméra, parce que du coup, je vais être assise. Je vais pas être assise pour cuisiner. Hop. Alors, qui vient du live de Méa, là? Que faisiez-vous? Où en êtes-vous? Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est le live cuisine du mois de janvier. Le prochain live cuisine sera au mois de février. Comme son nom l'indique, c'est mensuel. Et aujourd'hui, du coup, c'était mousse au chocolat. Oh, vous ne voyez pas. Je voulais vous montrer mon chat qui fait la débile, mais vous ne pourrez pas voir. Dommage. Tant pis pour vous. Vous verrez pas mon chat qui fait la débile. Ah. Écoute, ça a l'air chaud, hein. Là, c'est chaud comme devant un beau radiateur. Là. Moi, je pense que c'est chaud. Il a dit trop tard, mon assistant. Il s'en est même pas occupé. Ne fais pas ça chez vous. C'est pas une bonne idée, mais du coup, c'est chaud, je peux vous le dire. Alors, on peut mettre dedans les oignons. Les oignons. C'est bien difficile, la oignon. Mais c'est bien plus beau. Que la peinture à l'eau. Ça se barre dans tous les sens. Hop. Voilà. Les oignons. Hop. J'en ai perdu une partie. Non, pas beaucoup, ça va. Je crois que c'est là que je vais commencer à pleurer sur les oignons, en fait. Donc, il faut attendre qu'ils deviennent transparents. Jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides, en remuant de temps à autre. On va remuer de son accès à faire. Qu'est-ce que vous en dites? Vous m'entendez encore malgré le grésillement? Vous voulez que je rapproche le micro? Parce que maintenant que j'ai fini, j'ai plus qu'à mettre dans la gamelle tout au fur et à mesure. Donc je peux encore... Donc qu'est-ce que c'est qu'un poêlon, ceci étant? Quelqu'un sait? La peinture, la moelle. C'est bien difficile, ça moyen. Mais c'est bien plus beau. Que la peinture à l'eau. Ça donne envie de manger. Ça donne envie de cuisiner. Ah, bah c'est bien. C'est bien. Mon chat, ça lui donne envie de courir partout en sautant contre les murs. J'espère que c'est pas... Ça se trouve, c'est les... Ah merde, ça va sentir l'oignon dans ma chambre, du coup. Un bébé poêle, peut-être. Mais un garçon, alors. Un poêlon. Sinon, ça serait une poêlette. Ou une poêla. C'est un garçon bébé poêle. C'est une grosse... Perdue. C'est une grosse poêle en fonte. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pas ça, de toute façon. Donc, c'était normalement à faire dans un poêlon, ça. Mais on, du coup, on le fait dans la casserole. Et on dit que ça marche. Merci de Dark Bud. De Dark du BG, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire de Dark Bug. Mais pas du tout. C'est mon... C'est ma dyslexie qui mélange les P, les B et les D qui veut dire ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça. On va t'appeler The Dark peut-être, ce sera plus simple. Bien, tu refuses. Si tu es d'accord, on t'appelle plutôt The Dark. C'est plus simple. Ouvre peut-être la fenêtre. Non, j'ai une chambre de geek, je peux pas ouvrir la fenêtre. D'abord il fait froid. Et ensuite le volet est tout le temps fermé et ne s'ouvre pas. Assez petite, en fonte ou en cuivre, plus profonde qu'une poêle normale. Oui, donc c'est pas un bébé poêle en fait, c'est même l'inverse. C'est genre un poêlon quoi. On retiendra, on saura pour la prochaine, le prochain live cuisine, on saura que, ce que c'est qu'un poêlon. C'est pas hyper transparent mes oignons. Ils sont couleur pomme verte. Encore, on en revient à cette histoire. Vous les voyez jaunes, mais en fait ils sont couleur pomme verte. Lily. Ah oui, d'accord. Bah oui, t'as dit que t'arrivais avec le compte de quelqu'un d'autre. Je comprends. Toi, tu cuisines quoi alors de bon? Parce que Lily est passée, nous a changé de compte pour pouvoir aller cuisiner, si j'ai bien suivi. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner? Ah, tu es en train de griller au fond. Peut-être qu'il faut pas laisser griller. Je pense que je peux passer à la suite, non? Parce que là, ils sont en train de revenir. Donc c'est pas le but. Donc même si c'est vachement bon les oignons revenus. Je vous laisse une vue sur Choupette. Comme ça je la surveille en même temps. Voir si elle fait des bêtises. Donc j'étais en train de dire que les oignons. Elle était en train de bouffer mon céleri. Apparemment c'est pas très bon. Elle s'est ravisée. Ou alors elle est un peu trop timide pour manger du céleri en direct. Bref, avant que les oignons ne noircissent, on va rajouter le reste. C'est-à-dire les carottes, le céleri et le poivron. Tout ça. Ça sent trop bon les oignons qui sont en train de revenir là. Reviens. Reviens. Oh, la casserole sera jamais assez grande. Kamel ? J'ai besoin d'une plus grande casserole. On a encore la marmite? J'ai besoin de ton aide, sinon tout va brûler. Il veut pas m'aider. Bon, attendez, ça va jamais être assez grand. Faut que j'aille chercher la gamelle. Je vais voir si je trouve la gamelle. Je reviens. Je pense qu'il va falloir que je remette du coup dedans un peu d'huile. Je reviens. Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne va pas réduire sinon. Oui, c'est ça. Si je reste dans la petite casserole, ça ne réduira pas. Ça aurait été plus juste, mais ça aurait pu passer. Moi, je me sens pas à l'aise là. Je préfère avoir ma place pour touiller et faire des cochonneries, des cochoncetés. On va y arriver les amis, pas de panique. que personne ne s'inquiète. Tout est maîtrisé, tout est prévu. Tout est calculé. J'ai pas peur. On saura pas au final. Non mais après il y a quand même deux trucs de haricots, non trois mini conserves de haricots plus des tomates à mettre. Hein. Et on était déjà à rabord sur l'autre gamelle, donc je pense que j'ai bien fait quand même, non? Vous croyez pas? Plaf, plaf, plaf. 4-5 minutes en remuant. Et ensuite, prenez le piment rouge, il n'y en a pas. Le cumin, il n'y en a pas. La cassonade, il n'y en a pas. La cassonade, c'est du sucre. On va chercher du sucre. On va en mettre un peu. Hop! Ça tombe bien, j'en ai là. Il était en train de chauffer. Combien il en faut de la cassonade? 12 grammes. Normalement, c'est du sucre brun, la cassonade. J'en ai pas, je crois. Par flemme de nettoyer une autre casserole. Oui, oh. On dira pas que c'est pas moi qui fais la vaisselle. Hein. Effectivement, du coup, ça fausse un peu les... ça fausse un peu les scores. Alors, voilà. On touille tout ça. En tout cas, ça a une très jolie couleur. Ça continue à sentir les oignons. Ça sent pas trop mauvais, du coup, ça sent bon. Toi, tu fais partie de la team, ça tiendra pas, faut prendre plus grand. Team, ça tiendra pas. Ça, je vais le mettre ailleurs, mais c'est chaud. Je vais le mettre à l'extérieur. Je reviens. Ça touille, 4-5 minutes à feu doux, c'est bon. Donc voilà, une minute en brassant. Donc on continue de brasser. Après, le tofu, il n'y en a pas. C'est bien le fait de retirer des ingrédients, ça retire... ça fait beaucoup plus que 12 grammes, mais non. Une grosse cuillère à soupe. Moi j'aime bien le sucre. Dans les plats. Et c'est vrai, peut-être que j'ai mis beaucoup plus que 12 grammes. J'ai eu un doute, mais on ne saura jamais non plus. Et donc je disais, ce qui est bien de retirer des ingrédients, c'est que ça retire des étapes aussi. J'ai retiré 2 étapes là. Ensuite, égouttez les haricots, rincez-les, égouttez-les de nouveau. Ah, il faut les rincer, les re-égoutter. Ah oui, d'accord. Alors attends, on va mettre les champignons en même temps que les haricots à la fin, je pense. Mais, reviens là. J'ai perdu un bout de champignons. Je vais utiliser ça pour les rincer. Je savais pas qu'il fallait rincer les haricots. Aucune idée, Lily. C'est dans la recette cassonade. Moi, je suis pas du tout une cuisinière. C'est pas écrit. Il est écrit ajouter la cassonade. Agitez les tomates en dés et assez d'eau pour que le mélange reste assez humide. Et ensuite je laisse cuire encore 10 minutes après. Enfin. Je vais aller rincer mes haricots parce que je savais pas qu'il fallait les rincer. Après je reviens, on coupe les tomates. durable, on en mangerait un tout petit peu. Je les ai jamais rincés. Mais là, c'est écrit dans la recette. Alors, on fait tout comme dans la recette, sauf qu'on met que ce qu'on aime. Donc, je peux les ajouter. Hop. Tac. Et ensuite, il faut que je découpe les carottes. Les tomates, plutôt. Je pense que je peux mettre les... Ça là en même temps, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça va être de toutes les couleurs, ça va être sympa. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu. Ta 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 ta. Ta 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 da da. Je sais pas pourquoi je les ai dans la tête aujourd'hui. Kyreelle chanson, c'est ça. Ça va, Pinage? T'as pas trop faim en fait? T'es allé te chercher à manger ou pas encore? Ah, c'est trop gros. Arrêtez tout. Je mangerai ce soir. T'as pas fait de goûter, mon pauvre. Tu te prives. Pour nous regarder ou parce que tu veux pas manger de goûter? Putain, c'est bien les goûters. Ah, y a plus rien. Y a plus que de la purée. On va mettre la purée aussi. Touc. Donc, je crois que je suis bonne pour aller me relaver les mains. Je reviens. Allez, on y va, on touille. Est-ce que ça serait pas le moment de mettre les œufs, à votre avis? Moi, je mettrais bien les œufs maintenant. Pas les œufs, les champignons. Absolument pas les œufs. Il n'y a pas d'œufs dedans. Mais les champignons. Il y a pas mal d'eau au fond, donc du coup, je m'inquiète pas trop. Ouais, mais là, j'avais les mains imbibées de tomates, enfin de jus de tomate. Donc autant quand j'ai un peu de concombre ou de tout à l'heure de poivron, je m'essuie sur le tablier, autant quand j'ai trempé la main dans le jus de tomate, je vais au rinçage de main quoi. Ah, tu te décales. Sinon. Tac. Ou alors faut faire des goûters très légers, mais bon. Alors ensuite il y a les épices à mettre. Moi j'ai du 4 épices parce que j'ai pas de tout ce qui était demandé. Mais du 4 épices c'est vachement bon. Ça ne sera pas du tout du chili, c'est pas grave. On s'en fout, ça va être bon quand même. On y croit ou pas? Moi j'y crois. Hop, champis. Du coup c'est des énormes morceaux les champis. Même temps de cuisson que les tomates, ça va le faire. Bah ouais. Ça sent trop bon cette épice. Le mélange 4 épices là, il sent trop bon. Tac. Et il faut faire du riz. Ça. Tac. c'était très léger, c'est frustrant. Ouais. Je suis assez d'accord. Vaut mieux pas manger du tout si tu veux... Enfin, si tu peux pas manger à ta faim au goûter, vaut mieux pas manger du tout. Parce que sinon, le sucré, mais moins que t'en as envie, c'est frustrant. Je suis complètement d'accord avec ça. Avec cette affirmation. Je valide cette affirmation. En fait, je suis en train de couper les champignons en deux parce qu'ils sont trop larges s'ils sont entiers. Les lamelles. Voilà. Ils vont réduire. Je me demande s'ils ne devraient pas être plus trempés dans l'eau pour réduire. Non, ça va suffire s'ils sont juste comme ça. Ils vont réduire quand même, ils vont suffisamment chauffer. Hop. Bon. Et maintenant, ça dit laisser cuire à feu doux. Donc je vais baisser un peu le feu. Environ 10 minutes. Et ensuite on sale, on poivre, fromage râpé et on sert. Écoutez, ça sent super bon. Je suis pas du tout sûre que ça soit un vrai chili. Enfin, c'est même sûr que c'est pas un vrai chili. Je suis pas sûre que ça soit un chili. Mais comme j'ai jamais goûté de chili, je m'en fous. C'est une poêlée aux haricots et aux légumes. Et aux champignons. Avec du riz, ça va être vachement bon. Faut pas qu'il soit dans l'eau, sinon ça va être le contraire. Ok, alors on couvre. Et on attend. Voilà. Hey, salut Dark Sordon. Donc voilà, notre live cuisine touche à sa fin tranquillement mais sûrement parce qu'au final, le riz, je pense pas qu'on va le faire maintenant parce qu'on va cuisiner que pour, enfin on va manger ça que ce soir. Il y a la mouche au chocolat éventuellement que je pourrais aller chercher pour voir si elle est bonne. Ça fait 1 heure qu'elle est au frais, 1h30. Vous voulez qu'on goûte une cuillère de mousse au chocolat pendant que ça cuit, ça? J'ai cherché une cuillère de mousse au chocolat. Je sais pas si on peut dire qu'elle a eu le temps de prendre. En tout cas, elle est bonne. Elle tient pas mal, hein. Écoutez, elle est pas mal du tout. Oui, je m'arrête. On va remettre au frais pour le dessert de ce soir. J'attends d'être arrivée dans la pièce. Elle est peut-être un peu plus onctueuse que mousseuse. Tes blancs étaient un peu trop légers. Plus aérien. Oui, c'est ça. Ça manque d'air un peu. Mais franchement, c'est bon. Hein. Saladier au frigo et de l'huile de coude. Hein, quoi? Pour monter les blancs en neige, tu veux dire? Attends, mes blancs, ils étaient vachement bons. On a retourné le saladier, ça tenait. En vrai, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne là? ça humidifie un peu trop, on va voir. Je mélange. En tout cas, ça sent bon. Pourquoi ça s'appelle un chili d'ailleurs? Quelqu'un sait? C'est un plat du Chili? Parce que quand il y a de la viande, on dit un chili con carne. Et quand il n'y a pas de viande. Enfin, un chili tout court, qu'est-ce que c'est? Mousse choco, menthe. Menthe? Menthe et chocolat? La seule fois que j'ai goûté, ça devait être dans les trucs Côte d'Or, là, les chocolats aromatisés. Et en fait, moi, je suis pas fan du tout de chocolat aromatisé. Pour moi, du chocolat, c'est au chocolat. Oh, 1000 pattes. 1000 pattes unijambistes, même. Bienvenue chez nous, 1000 pattes unijambistes. Merci pour ton sub. Ça devrait s'afficher ici, dans pas trop longtemps. Merci beaucoup. À savoir que comme tu es sub, si tu as synchronisé ton compte Twitch avec ton compte Discord, tu peux nous rejoindre sur Discord et choisir le plat qu'on cuisine la semaine le mois prochain. On fait un live cuisine par mois et c'est les subs qui choisissent ce qu'on cuisine. Enfin, ce que j'essaye de cuisiner, pour être plus clair. Ouais, moi en chocolat, je préfère vraiment du pur, pur. Alors je vous propose un truc, je vais retourner la table. Comme ça vous pourrez continuer à voir la cuisson. Et je vais quand même m'installer devant l'ordi et remettre la caméra et tout ça. Faut la foi pour les monter à la main, ouais, clairement. Comet il fait des blancs à la main, mais il a de l'huile de coude. Il y met tout son amour pour monter ses blancs en neige. Et en vrai, je pense que c'est quand même mieux quand ils sont montés en neige à la machine. Hop. On va faire ça comme ça. Ensuite comme ça. Ensuite comme ça. Faites pas attention au bordel à côté. Du coup, je vais ranger tout ça. Culpabilité de pas monter les blancs à la main. Bah après, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut et en vrai comme il veut. Et... ça dépend de la quantité. Il y a du... c'est meilleur. Ça change quelque chose au goût vraiment. C'est pas la même tenue. Attends, on parle de tenue. Mais tout à l'heure, t'étais là, Goyom. Mais blanc en neige, machine. On a retourné le saladier, ça tenait. Donc, ils avaient de la tenue, mais blanc en neige. C'est après que je les ai abîmés, je pense. La crème allégée à la main. Non, mais... on n'est pas là pour se faire du mal, hein. Vous savez qu'il y a un truc hyper intéressant dont je vais vous parler. Je viens de me rendre compte que j'enregistre depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Comme ça, on perdra pas le live. Un truc qui va nous intéresser beaucoup, c'est que Subnautica est release, ça y est. Du coup, ça veut dire que la version finale de Subnautica sort le 24. Donc je pense que je vais le relancer, hein. Il y a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances. On va lancer une nouvelle partie, tester les trucs et tout. Ils ont rajouté vachement d'éléments scénarisés. D'éléments de quête aussi, enfin de RPG qui donnent un but, parce que c'était un des défauts qu'on avait trouvé à Subnautica, c'est-à-dire que dès le début de nos tests, donc en 2015, J'étais déjà plutôt convaincue par le jeu, dans le graphisme et dans le gameplay, mais il manquait de contenu. Et surtout, on n'avait rien à faire en vrai, à part découvrir le maximum de choses. Une fois que tu avais tout découvert, tu n'avais pas d'objectif ni de but. Alors que maintenant, il y a vraiment tout ça qui a été rajouté. Le batteur non professionnel, il tourne, il batte pas. Les batteurs pro ont 3 axes de rotation et ils incorporent de l'air. Ma maman, elle a un batteur avec 3 axes de rotation. Alors ça veut dire c'est un bon batteur? C'est vrai, un robot pâtissier, c'est pas un batteur électrique. Mais moi, j'ai tourné un peu. Donc il y avait au moins 2 axes de rotation quand je faisais mes blancs en neige. Elle a un batteur de ouf qu'elle a payé une blinde, je sais pas. Mais elle l'a depuis que je suis toute petite. À mon avis, elle l'a depuis son mariage. Joue Star Ocean 4 sur Steam. Ah, alors attends, je vais aller regarder ça tout de suite, un broadcast. Star Ocean 4. Mais honnêtement, du coup, de ce que j'ai vu de la release, Subnautica devient vraiment très intéressant. Hein, dans sa catégorie. Parce qu'ils ont rajouté pas mal de contenu, ils ont rajouté surtout, comme je vous disais, des éléments de quête, enfin en tout cas d'histoire, qu'on découvre au fur et à mesure du jeu. Après, ça me dérange pas qu'un jeu ait une fin, mais quand c'est des jeux de pure construction, sans objectif, sans... même très lointain ou même vague, ça me dérange un peu. Hey, salut Jérôme! Comment vas-tu ? Écoute, Goyam, ouais, je pense que ma mère, elle a le brasseur. Tiens, on va pouvoir parler pâtisserie avec Jérôme, qui est pâtissier professionnel. On va pouvoir parler blanc en neige. Mais ma mère, elle a le robot, je pense, depuis... Elle l'a au moins depuis 30 ans. Puisque moi, je l'ai toujours connu, ce robot à la maison, et j'ai 30 ans. Et tu sais, c'est vraiment les robots intuables, quoi, de l'époque. Oui! Oh, on reconnaît, c'est vrai! Oui, c'est Chili. Où t'avais regardé le menu. Ouais, c'est Chili. On a fini. On a fait une mousse au chocolat aussi. On a goûté et elle est très bonne. Enfin, j'ai goûté en live et elle est très bonne. Et elle est un petit peu trop onctueuse et pas assez mousseuse pour une mousse au chocolat, mais elle est très bonne. Le batteur électrique, je l'ai banni depuis que j'ai fait mon CAP pâtisserie. Ah, mais voilà, on est entre professionnels là au live. Je suis en train de me blesser le menton. Tant pis. J'ai triché, je savais. Son batteur, c'est minimum 300 €. Ah bah oui, ça m'étonnerait pas. Connaissant mon père, qui équipe ma mère. Mon père achetant toujours le meilleur du meilleur, histoire de pas avoir à racheter trop vite. Je pense qu'il a pris un bon truc. Ouais! Je vais m'asseoir sur une vraie chaise. Tiens, je t'échange contre mon tabouret si tu veux. Je m'en bats les couilles de ton tabouret. Si tu pouvais juste te dépêcher, s'il te plaît. Oui, d'accord. Merci. Merci. Je pensais pas qu'il la ramènerait. Tac. Un Thermomix. Thermomix, c'est le fameux... C'est la nouveauté. Oh, Gio. Coucou. Alors Gio, t'arrives à la fin du live cuisine. Nous avons un chili qui est en train de cuire. Je pense que je vais goûter un petit peu le truc là, le couvercle. C'est cracra. Ah, il y a de la buée. Bah, oui. C'est la fumée de trucs qui s'envolent. On va touiller un peu. Ça rend vachement d'eau. Comme je disais tout à l'heure, de toute façon, moi je sais pas à quoi c'est censé avoir comme goût un chili, alors du coup je vous dis que ça a une belle couleur, ça sent bon. C'est pas mal. Mais je sais pas comment c'est censé être. Mais là, moi ça me branche bien, manger ça avec John. Tac. On va baisser le feu, je pense, après. Salut Géo. Broadcast. N'importe quoi. Demain, on retrouve Kyreelle, morte sur le sol. Merci le Chili. Non, en vrai, je suis une daube en cuisine. Donc ça se peut très bien que ça soit mauvais. Hein. Mais il n'y a que des trucs bons dedans. Si ça brûle pas, je vois mal comment ça peut être mauvais. Mais c'est tout l'intérêt de ces live cuisine. Si je savais cuisiner, les live cuisine seraient beaucoup moins intéressants et rigolos. Et donc les subs, encore une fois, vous n'oubliez pas de synchroniser vos comptes avec Twitch et Discord. Et sur Discord, vous nous dites ce que vous voulez qu'on cuisine pour le mois prochain. Le mois prochain, ça sera sûrement autour du 20, le live cuisine. Je vous donnerai la date, elle s'affichera dans le calendrier en dessous. Après avoir monté ta chantilly à la main, t'es obligé de la préférer tellement t'en as chié. C'est ça. C'est ça. Il doit y avoir ça. Il doit y avoir un peu de ça. Il y a la satisfaction du travail accompli. Bon, encore une fois, en vrai, hein, on fait le live ici. Le live cuisine était prévu depuis longtemps, mais... vu les événements de la semaine avec une SPA qui s'est fait vandaliser et l'appel à mobilisation qu'a lancé Trinity, auquel j'ai répondu, on récolte des fonds, comme vous le voyez, ça s'affiche là, à l'écran, et ça s'affiche dans le chat quand on fait la commande SPA, normalement, voilà. Donc si vous donnez via ce lien, vous faites augmenter la cagnotte de ceux qui se mobilisent pour essayer de réparer les dégâts qui ont été faits par les vandales. En tout cas, les dégâts matériels qui peuvent être réparés, puisqu'on déplore quand même 2 animaux qui sont morts sous les coups des personnes. Voilà, voilà. Prochain live, omelette aux champignons de Paris. Alors, moi, je disais qu'on pouvait faire un truc rigolo, si ça vous inspire, comme contrainte pour le mois prochain, pour le mois de février, ça serait plat de saison. Parce qu'en février, je sais pas trop ce que c'est, les plats de saison, donc ça pourrait être rigolo. Là, la contrainte, c'était VG. Donc on a cuisiné VG. Mais pour la prochaine, voilà. Donc en fait, il faut prendre un saladier en alu qu'on l'a mis au frais. Mais j'ai pas de congélateur, mais je peux le mettre au frigo. Une pincée de sel, un batteur à main. Goyum, tu sais qu'à parler comme ça, la prochaine fois que je viens vers ton pays et qu'on fait une IRL, on va te demander de ramener des trucs à base de blanc en neige, hein, pour prouver tes dires. Si on n'amène pas directement les blancs à monter en neige sur place. C'est encore l'hiver, tartiflette. C'est vrai, on pourrait. Non, il y en a qui nous ont fait remarquer très intelligemment que ça sera la chandeleur. Donc on pourrait faire un dessert crêpe, ce serait cool. En plus, il y avait gâteau de crêpes qui était proposé dans les desserts pour cette session-ci. Donc on peut faire un dessert crêpe et il faudrait décider un plat. Poté de chou. Alors j'avoue que le chou, je préfère cru. J'aime pas trop le chou cuit. Je suis comme les enfants à ce sujet. Je suis en train de me demander un truc. Est-ce que vous croyez pas qu'il faut que je mette un tissu pour récupérer l'humidité sur le couvercle? Parce que c'est en train de faire de l'eau sur le couvercle. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, je pense qu'il faut que je coupe parce qu'il disait 10 minutes à cuire. Donc là, on est à 10 minutes. Des beignets et ça sentira bon chez toi. Pas faux, ça. Jérôme, je me disais que si on arrive à faire quelque chose, si tu arrives à faire quelque chose de moi, vu que je suis nulle en cuisine, on pourra peut-être emmener des échantillons à faire goûter à l'IRL ou pas, en février. Puisque je le rappelle, la première IRL de 2018, ça se passera entre Dijon et Besançon. C'est en train de s'organiser sur le Discord. Et ça se passera à la fin de la semaine anniversaire, donc autour du 24, l'IRL. Le torchon, c'est pour la cuisson à l'étouffée, pas pour le chili. Ah, ok. C'est normal qu'il y ait de la buée, mais pas de torchon. Mais j'ai l'impression que ça me rajoute de l'eau, mais c'est normal. De la chantilly sur du macaron. Bah ça, c'est du bon cabon. Bah c'est ça, le truc, c'est qu'il faut que ça soit un truc qui demande un petit peu de préparation pour qu'il y ait quelque chose à streamer. Et qu'il soit pas trop facile non plus, parce que, ok, je suis nulle, mais si on me fait faire des trucs trop faciles, je m'améliorerai pas. Le but, c'est de faire des trucs un peu difficiles. Oui, 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 c'est à toi que je demandais, Jérôme. Je disais, si tu... est-ce que tu penses qu'on en fera suffisamment pour en emmener des échantillons en IRL? Sans trop dévoiler ce qu'on va faire. Vu que ça va se télescoper. Faut que tu touilles et que tu goûtes pour voir si c'est bon. Pas bête. Ah oui, on Dijon, forcément. Bœuf stroganoff. C'est quoi du bœuf stroganoff? On va goûter un petit peu, un petit bout de chili. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. On va attendre que ça refroidisse un peu. Déjà, ça fume. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. Vous voyez que ça fume? Ouais, vous voyez que ça fume. T'as une idée qui serait sympa. Ok, cool. Super. T'as vu que pour nous, finalement, ça se maintient plutôt autour du 23. Je sais que c'est... Du coup, ça va te faire 2 week-ends d'affilée avec du monde chez toi. Si ça t'ennuie pas trop. Mais on doit pouvoir se faire loger à l'autre date. C'est un bœuf émincé au paprika avec des carottes, du poireau et de l'oignon. C'est un bœuf bourguignon au paprika, en fait. C'est ça? La fille qui fait des gros raccourcis. Je vais me fâcher avec tous les cuistots du monde. Mais en vrai... Ah non, il n'y a pas de vin rouge. Un plat en sauce type coq au vin ou bourguignon. Ah bah si, c'est ça. Oh, merci Jérôme, t'es vraiment cool. C'est cool de te plier à nos dispos. Il n'y a pas de vin, c'est pas bourguignon. Oui, bon, d'accord. Alors, on va goûter. Attention. En tout cas, ça sent bon. Vous savez, vous savez pourquoi je trouve que ça sent super bon? Parce que ça sent les 4 épices. Alors, c'était pas du tout prévu qu'il y ait du 4 épices dedans. Mais du coup... Comme j'adore les 4 épices, je pense que je vais kiffer. Mmh. Oh non, on mange pas des bouts du petit bonhomme. Les cuistots en colère. Toutes mes excuses. Oh. Écoutez. Je pense que c'est une réussite, hein. Mais en fait, je suis en train de me demander s'il faut le servir avec du riz. Parce que j'ai l'impression que comme ça, c'est très bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous n'avez pas goûté, mais de façon générale. Non, si, si, c'est bon, en vrai. Ça va. Ça manque peut-être d'être relevé un petit peu. Je pense que ça manquera de sel. Ils disent de rajouter du fromage râpé. Alors moi je suis pas fan de fromage râpé, donc je sais pas si j'en mettrai dans mon assiette. On en proposera à Comet, parce que Comet va manger ça ce soir. Écoute, on fera sûrement une IRL du coup, Goyom, dans chaque région, comme on avait fait il y a 2 ans, puisque cette année, la semaine de live anniversaire servira à lever des fonds pour ça. Bien sûr que ça se sert avec du riz, évidemment. Comet, est-ce que tu veux venir goûter en live? Parce qu'ils me croient pas, les gens. Donc oui, oui, on aura une IRL un peu partout. Je pense qu'on fera comme on avait fait il y a 3 ans, c'est-à-dire à chaque fois un week-end, avec le vendredi soir sur une destination et le samedi soir sur la destination un peu plus loin. Par exemple, pour l'Ouest, pardon, par exemple, le vendredi soir à Angers et le samedi soir à Nantes. Salut Sensi. Bah non, c'est VG. On peut pas mettre de la merguez. Si tu veux que ce soit plus relevé, remonte la casserole. Je lui mets un annuaire sous les fesses aussi, Scran. J'aime bien quand il y a un peu de féculent pour accompagner. Bon, alors d'accord. D'accord, d'accord. Alors, on va mettre du riz. Mais du coup, je vais pas le faire maintenant, le riz, il est 6h, on va pas manger à 7h. Enfin, on va pas manger avant 7h, c'est sûr. On va manger au moins à 8h. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais couper le feu. Et on réchauffera un petit peu, on fera du riz. Et je vous ferai une petite photo pour Twitter. Parce que je n'ai pas d'Instagram, comme vous le savez. Mais vous aurez la photo sur Twitter. Et l'annuaire entre la plaque et la casserole, pas sûr que ce soit une bonne idée. Pas faux, il y a moyen que ça tourne mal. Kyr cuisine, hashtag ça tourne mal. Bon, je vais voir si Comet veut se dévouer pour prendre une cuillère en live. Pour vous prouver que je ne dis pas ça parce que c'est moi qui ai cuisiné. Comet, ils veulent pas me croire que c'est bon. Est-ce que tu peux bien venir voter une cuillère? À la fin de cette partie. De toute façon, on va pas manger tout de suite. Hop. Feu coupé. Oh là là. Par contre, comme je viens de goûter la mousse au chocolat, je viens d'avoir une petite remontée de mousse au chocolat, alors que dans la bouche, j'ai encore le goût du chili. C'est un petit peu spécial. Heureusement que le chili n'est pas trop aromatisé, du coup. Laisse mijoter à tout petit feu, c'est meilleur. Là, j'ai coupé. Vous pensez qu'il faut que je laisse encore un peu? Et tu vas oublier. Une pincée, pas plus. Oui, c'est vrai, il faut que je rajoute du sel. Mais je me demande s'il ne faut pas le rajouter au dernier moment, ça, Broadcast. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'aurais rajouté au moment de servir dans les assiettes, en fait. Alors, on laisse mijoter à tout petit feu, on coupe pas. Hop. Je mets à 1. Et ça mijote jusqu'à 8h du soir, du coup. Enfin, jusqu'à ce qu'on dîne, quoi. Oula, je viens de donner un gros coup de pied dans le PC. Ça n'a pas coupé. Vous êtes encore là. Elle veut devenir célibataire. Mais non, mais c'est lui, le premier live cuisine. Elle a dit, ah non, non, je goûte pas, hein, c'est pas moi qui fais le cobaye et tout. Et là, cette fois-ci, il a fait, ah non, mais tu m'en gardes, hein, je veux pas, comme la dernière fois, que tu prennes tout. J'ai dit, mais la dernière fois, tu voulais pas goûter. Chocolat et 4 épices, parfait. C'est ça. C'est ça. On peut le mettre maintenant. Alors, on va le mettre maintenant. On va mettre un petit peu de sel. Je l'ai là. Attention. Ah, ça coule. C'est pas grave. Donc, un petit peu de sel. Ah, mais ça déborde là presque d'eau. Faut que je laisse s'évaporer un peu, non? Parce que là, il y a de l'eau jusque là. Presque tout est dans l'eau. Faut que je laisse s'évaporer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, j'ai à goûter un truc, mais ça, on pourra pas le... je pourrais pas vous montrer en live parce que c'est de l'alcool et qu'on peut pas le montrer sur Twitch. Mais il y a un digestif qu'on m'a offert. On m'a offert une bouteille de digestif, là. Hier. Mon oncle m'a offert une bouteille de digestif à l'orange et je pense que c'est vraiment très bon. Je retire le couvercle pour évaporer l'eau. Ah ouais, hein, on est d'accord. S'il y a beaucoup trop d'eau, là. Mais dans la recette, il disait qu'il fallait couvrir. Et laisser cuire à feu doux 10 minutes. Là, on est à plus de 10 minutes. Et vous me dites, il faut continuer à cuire. Et il faut pas couvrir. Alors, on fait la recette du chat. On fait pas la recette du live. D'internet. Tiens, viens goûter une cuillère. Ah, mais il n'y a pas de riz. Ça ne m'intéresse pas. Goûte, ça va être bon. Je veux du riz. Mais on va pas le faire maintenant. On va pas manger maintenant. T'as faim, là? Prends un petit peu de tout. J'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps faim. Attention, c'est chaud. Ah bon? Prends une cuillère avec un peu de tout, mais attends que ça refroidisse avant de goûter. Pas Parce qu'ils m'ont dit de pas le couper en petits cubes. Oui, mais moi je fais la recette du chat. C'est pas bon. Pas la recette de comète. Tiens, viens manger devant l'écran. Comme ça ils vont savoir si tu trouves ça bon ou pas. Non, je veux pas manger devant des gens qui veulent pas me laisser faire du riz avec du chicken garni, donc je fais ce que je veux. Mais si, on fait du riz avec le chicken garni. Non, eux. Si, ils ont dit oui. Ils ont dit c'est meilleur avec du riz. Ouais, c'est ça. Eh, salut Ganon. Bonjour. Triple sec à l'orange. Non, 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 c'est du vin. C'est quoi le truc à l'orange? C'est trop chaud. T'as pas attendu assez. Si, mais je veux du riz avec et ça va être très très bon. Ah ah! Ça va être très très bon, il a dit. Bonne soirée Jérôme, à très vite. N'hésitez pas à follow Jérôme aussi si vous voulez voir de la cuisine parce que lui il est pâtissier et il stream du sucre et il a une chaîne YouTube aussi où il montre comment il fait des figurines en sucre et c'est trop bien. Un bon report, c'était carottes. Elles doivent être un tout petit peu croquantes. Si elles sont molles, c'est trop cuit. Si elles sont carrément croquantes, c'est pas assez cuit. Alors, mes carottes. Mais là, de toute façon, il faut que je laisse cuire pour que l'eau s'évapore un petit peu, je pense. Je vais vous dire ce que c'est l'alcool. Je vais aller regarder. C'est un truc de producteur. Elles sont al dente. Je pense qu'elles sont juste bien. Je pense que je peux cuire encore un petit peu, ce qu'il faut pour que ça s'évapore. Parce que les carottes sont bien, sont al dente. Sinon je vais avoir toujours faim. Non mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vais regarder ce que c'est l'alcool, je vais vous dire ce que c'est. Je pense que ça va être bon. Parce que là, j'imagine très bien un petit truc à l'orange derrière ça. Alors, en fait, t'avais pas tout à fait tort, mais pas tout à fait raison non plus. C'est de la liqueur d'Armagnac. À l'orange. Ça s'appelle le pouce rapière. Si c'est al dente, tu peux arrêter le feu. Trop cuit, ça sera pas bon. Bon, alors je coupe le feu et on laisse s'évaporer ce qui reste. En fait, ça me donne faim d'en goûter. Pouce rapière, ça s'appelle. La bouteille qu'on m'a donnée hier. Ah, elles sont juste bien, faut pas que je fasse plus. Elles sont ni plus molles ni plus croquantes que le haricot. Du coup, c'est bon. Je suis passée avec la tête au-dessus, désolée. En plus, j'ai dit j'ai les cheveux gras, c'est le jour de shampoing aujourd'hui. Dimanche, c'est jour de shampoing et de soins. Bonsoir, Fox. Ça va être bon. On fait le riz. Qu'est-ce que vous en dites? Je ferme là. Je couvre. Au pire, garde les légumes d'un côté et fais réduire la sauce. Alors ça, je sais pas faire. C'est vous qui allez me dire comment on fait. Ça veut dire, je mets les légumes, j'égoutte les légumes, je les mets ailleurs. C'est ça? Et ensuite, je continue à faire cuire la sauce. Comment on fait ça? Enlève les légumes, laisse la sauce dans le plat. Pour la rendre moins liquide. Ouais, parce qu'avec le riz, même si le riz va boire... Ou alors je fais cuire le riz dans la sauce, qu'est-ce que vous en dites? Vu qu'elle est vachement liquide. On peut faire ça? C'est possible ou pas? T'es du même avis que Broadcast. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire cuire le riz dans l'eau du chili? Dans la sauce eau du chili? Surtout pas malheureuse. Ah bon. D'accord. C'est pas une bonne idée. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. J'ai rien dit. Moi, ça, je trouvais que c'était une bonne idée, mais bon, après tout, j'y connais rien. Bon, je vais chercher la casserole et on fait le riz ensemble alors, du coup. Comète, il a l'air de vouloir manger. Le riz, je le rajoute pas dans la casserole. Non, je le sers à côté et on sert le chili par-dessus le riz. C'est ça, hein. N'oubliez pas d'aller donner à la SPA. Hop, je mets un petit coup de point d'exclamation SPA. Si ce n'est pas déjà fait. Pour réparer les dégâts des vandales de la région de Nantes. De Cholet. Pourquoi pas le dessert? Allez, mousse au chocolat au chili. Non. Non, non, non. Non, mais c'était une idée. Voilà. Moi, je ferais une couronne avec le riz et le chili au centre. Oulala. Je sais pas si on se posera beaucoup de questions sur le dressage, en vrai. Mais je peux aller chercher une gamelle et faire cuire le riz. On récupère l'eau de cuisson des champignons pour cuire les légumes. On récupère l'eau pour faire bouillir la viande. Ouais, à la fin, ça fait une sauce qui a le goût de tout ce que t'as cuisiné, quoi. C'est ça, tu sers les deux en même temps. Enfin, deux plats séparés en même temps dans l'assiette. Non, ce crâne, on peut pas. Parce que faire justice soi-même, c'est pas non plus démocratique ni citoyen. Malheureusement. Malheureusement, dans le sens où on est d'accord qu'on n'est pas sûr que justice sera faite. Mais c'est pas grave. Ce crâne, il est team chat, il est pas team chien. Oui, mais ça se fait selon un ordre précis, pas la YOLO. Quand c'est bon, c'est bon. Ouais, je suis assez d'accord. Donc du coup, ce que je vous propose, je vais mettre le plat de côté. Hey, salut Rêve de Ludic. Je vais mettre la gamelle de côté et on va aller chercher du riz et faire cuire du riz. Ça, je vais vous montrer, c'est dans mes compétences, je sais faire. Ça gazouille bien, bien, bien. J'arrive. Je laisse les autres te raconter pourquoi on fait ce live et qu'est-ce qui se passe spécifiquement sur ce live cuisine. Je vais chercher la gamelle de riz pendant ce temps-là. Oh, c'est le bordel. Il va falloir que je range tout ça après. J'ai la flemme, rien d'y penser. Hop. Quand même d'un cran, hein. Parce que le riz ça va, je sais faire, du coup je vais pas apprendre grand chose, mais bon. Ah, de quoi ça parle? Je vais faire, comment on dit, pourquoi tu dis pas cuire le riz, tu dis quoi alors? suis dit, je vais faire bouillir le riz. Bouillir l'eau du riz et tremper le riz dans l'eau bouillante. C'est un peu plus long à expliquer quand même. Goyam, c'est un melting pot de culture. J'ai connu une bretonne chinoise. Oui, faut. C'est ConceptBot qui croit que t'as dit conne. Du coup, il fait des théos, mais faut pas le croire. Salut la Wecole. Du riz en sachet. Ah oui, bah oui. Ah, je fais moi tout de suite. Mais non. Écoute, la Wecole, pas trop mal. Pas trop mal. On a... Ça a fini de cuire le chili, donc là, je l'ai retiré du feu. On va faire cuire le riz. Enfin, on va faire chauffer le riz. Donc, comment tu dis, du coup, si tu cuis pas le riz? Comment tu dis, Guillaume? Bah, du riz en sachet, c'est vachement plus pratique, figure-toi, parce qu'il y a écrit pour combien de personnes, et j'aurais pas besoin de les goûter. Donc, c'est typiquement adapté à moi. T'as une place sur ton échappe? Commence par le laver, il va se... Ben oui, mais s'il est en sachet, il est déjà lavé, non? Ou pas du tout? Donc là, j'y vais et mon sachet troué, je le passe sous l'eau jusqu'à ce que l'eau soit plus trouble. C'est ça? Tu veux me voir devant l'écran, en fait, c'est ça que tu me dis? Ça sert à rien que j'anime ce live, après tout. Vous allez surveiller l'eau qui bout. D'ailleurs, on va la saler un peu. Ça marche pas. Je suis sûre qu'il est incollable en plus, avec la petite larme. Non, c'est du riz long grain. Je sais pas s'il est incollable. J'utilise jamais de sachet. Bon, bah écoutez, je vais essayer. Hein, je reviens vous voir si c'est pas une catastrophe. En attendant, vous surveillez l'eau qui bout. Et si elle bout, vous criez. D'accord? Salut Vox. Oh, mais vous m'embêtez avec mon riz en sachet. Ça va être vachement plus compliqué si je... Parce que j'en ai du riz, pas en sachet. Mais c'est vachement plus compliqué parce qu'après, il faut les goûter et tout, c'est chiant. Et en plus, vous racontez même pas à Rêve de Ludique ce qui se passe. Alors bon, j'ai mal à mon riz. Je vais le rincer, à tout de suite. sorcellerie, ils ont fait un caca nerveux pour qu'on rince le riz. Putain, on perd tout le... Tout l'amidon. Bah non, c'est tout l'intérêt. Parce que c'est pas bon l'amidon. Ah. Alors, voyons voir. De quoi ça parle? Qu'est-ce que j'ai raté? Ce soir, je vais en pèlerinage dans le resto cambodgien du coin. Pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu connais? C'est un autre qui a dit ça. Pardonne-leur le sang. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est ça. Merci Pinage d'avoir tout expliqué. L'amidon, est-ce qu'il va donner des sous? Bah grave. Alors on peut y aller là ou pas? Parce que ça fait des petites bulles au fond. Du coup on peut y aller un peu, non? Ou faut vraiment attendre que ça boue? Tiens, vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce que ça change quand il y a des petites bulles au fond là et que donc c'est très chaud? Ou quand ça boue? Et que du coup ça gicle dans tous les sens. Bon alors, j'ai pas réussi à rincer jusqu'à ce que l'eau ne soit plus floue. On peut y aller. Bon, alors j'y vais. Mais par contre, c'était vachement pratique de rincer avec le sachet parce que je pouvais malaxer comme ça le riz. Alors avec un autocuiseur, on plonge dans une eau même pas chaude. Ah bah voilà. Je suis pas la pire des pires. Bon alors maintenant on attend juste que ça cuise. Y a pas grand chose à faire pour le riz. En vrai c'est pas hyper passionnant à regarder du coup. Est-ce qu'on ferait pas un live jeu vidéo en attendant? Qu'est-ce que vous en dites? Ding dong. Qu'est-ce qui se passe? Que me veut-on? Ça y est, ça bouge, je l'entends. Je l'entends qui bouille. Là, ça boue. Vous entendez même, je suis sûre. On va jouer comme ça, j'arrêterai de... Des petites bulles, ça frémit. Des grosses bulles, ça boue. Il y a les deux. Il y a des grosses bulles et des petites bulles. C'est combien de temps d'ailleurs? Je sais même pas. Je crois que c'est 10 minutes. On verra bien, ça va gonfler. Alors, pour le logo SPA animé, je l'ai cliqué et glissé dans OBS. Et ça m'a fait un overlay SPA.move dans OBS. Et c'est donc un fichier local. Et ensuite, je lui ai juste demandé de se mettre en boucle. J'ai coché la case en boucle dans les propriétés. Et ensuite, pour... les pop-up ici en dessous, là, donc pour le logo c'est ça, et pour les pop-up en dessous, il faut aller sur Tweet Alert. Tu peux prendre le mien si tu veux, puisqu'il est déjà configuré. Tweet Alert, je vais t'envoyer mon Tweet Alert. Hop, je t'envoie mon lien. Mais en gros, en fait, c'est un truc que tu configures. Et tu lui dis quel hashtag tu veux surveiller. Si, il est dans le drive. Ah bah tiens. Comme je l'ai... ça l'a reset. Donc ça réapparaîtra quand il y en aura de nouveau. Le fait d'ouvrir les propriétés, ça reset la page. C'est... il s'appelle Overlay SPA. Point mauve. Le logo. Quand je frémis, c'est parce que j'ai froid, je fais pas des bulles. C'est ça. Pas de soucis là, école, sans problème. Et du coup, l'idée, c'est que comme on peut pas suivre les dons et la cagnotte depuis la page de la SPA, enfin la page... on peut pas faire d'alerte. L'idée, c'est que si vous faites un don, faites un petit tweet avec le hashtag StreamSPA Cholet. Comme ça, ça apparaît en dessous. Tout simplement. Bon, là, je pense que c'est beaucoup moins intéressant de regarder le riz cuire. Donc, on va changer d'activité, je pense. Voilà, au pire, Sayou, Kishou, elle pourra te l'envoyer. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je me demandais... Subnautica, il n'est pas encore release. Il va être release le 24, donc c'est pas tout de suite. Ça va venir très vite, mais c'est pas tout de suite. Je pense que c'est trop fort. Le feu est un peu fort. Rimworld, on sait ce que ça donne. Recuire for a dream. Blit. Comment ça, blit? Ah oui, je fais blit. Rimworld, on y a beaucoup joué ces derniers temps. Pardon. Après, on a encore des trucs à faire, hein. C'est pas fini notre partie, même la grosse partie est pas terminée. Pardon. Sinon, il y a Dead Cell, ça fait longtemps que je l'ai pas lancé depuis cet été. Merci Scran. Merci PegZ. À quoi on pourrait jouer? Il y a Isaac aussi. Bah, Subnautica va être release cette semaine, là, au col. Donc c'est pour ça que j'attends cette semaine. Rimworld, ça repose pour dormir. Bah ouais, c'est ça, là, il est un peu tôt pour lancer un Rimworld. Rogue Legacy, je l'ai pas. J'ai vu qu'il était en promo sur Humble Bundle, là, en ce moment. Je l'ai pas encore. Dead Cell, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a de nouveau, parce que je pense qu'il a bougé depuis la dernière fois que j'ai joué. J'ai joué en juin. Allons voir. Il y a eu des mises à jour... en décembre. Salut Narvec. Donc bon. Release, ça veut dire qu'il sort de la bêta et ça devient la version 1.0. Qui est chaud. Ça marche comment Humble Bundle? J'ai pas tout compris. Humble Bundle, c'est vachement chouette parce que c'est un site légal de vente de jeux. Contrairement à d'autres qu'on connaît et qu'on ne nommera pas. Donc il y en a pas des masses en fait, beaucoup moins. En tout cas de vente de promo de jeux en promo. Et en plus, tu peux choisir quand tu payes les Humble Bundle, les bundles. Donc ils font des bundles par semaine. C'est-à-dire des jeux, ou des groupes de jeux, ou de livres, ou de BD, mais anglophones, très peu chers. Et quand tu payes, tu choisis combien tu donnes entre 1$ et autant que tu veux. En fonction de combien tu donnes, tu as quelques paliers. Par exemple à 10$ ou à 15$ ou à 20$ qui débloquent les trucs supplémentaires. Et ensuite, au moment de payer, tu choisis comment se répartit ton argent entre la charité, le tips pour Humble Bundle et les développeurs des jeux. C'est toi qui choisis où va ton argent en fait. Et c'est les développeurs qui offrent les clés à Humble Bundle puisqu'il y a une partie caritatif du coup dans le mouvement. Voilà. Salut Sin City. Je croyais que c'était pour février. C'est une fois par mois. Une fois par mois. On est en train de finir ceci étant parce qu'on a fait un chili VG. Je vais vous le remontrer à l'écran dès que le riz sera cuit. Et donc là on fait cuire le riz. Du coup on papote pendant ce temps-là. C'est une fois par mois et en février ça sera autour du 20 sans doute. Je mettrai une annonce dans l'événement. Je sais pas du tout quand ça sera. Tu es abonné toi? Je viens de m'abonner. En fait, je m'étais pas abonné jusqu'à maintenant parce que en fait, tu peux t'abonner mensuellement, mais sinon tu peux aussi acheter des bundles comme ça. Donc ça, c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant. J'achetais les bundles comme ça. Mais les Humble Monthly, il est vachement intéressant ce mois-ci parce que c'est Civilization 6, qui est un jeu que je voulais essayer, mais qui coûtait, qui coûte 50 balles quoi. Donc j'avais pas trop envie de tester, de payer 50 balles pour découvrir un jeu. Donc là, c'est 12 $. Donc c'est beaucoup plus abordable pour moi et pour ce que je suis prête à mettre dans un jeu vidéo. Et donc ouais, le Humble Bundle de ce mois-ci est plutôt très intéressant. Ouais. Et du coup, le mois prochain, ça sera en février, il y aura un nouveau truc. Et donc soit je renouvellerai mon abonnement, soit je changerai d'abonnement. On verra bien. Et c'est des jeux Steam, c'est des jeux... Alors, t'as toujours le choix, enfin, c'est très souvent, ils sont aussi sur Steam, mais t'as quelques jeux qui sont pas sur Steam, qui sont sur Uplay, par exemple, ou des trucs comme ça. Et de toute façon, très souvent, t'as le choix de les télécharger sans passer par Steam aussi, de télécharger le jeu directement. Et tu les as sur Android aussi. Par exemple, j'ai acheté Mini Metro sur Humble Bundle, j'ai eu la clé Steam, mais j'ai eu aussi la clé Android, pour le télécharger sur Android. Donc je l'ai sur ma tablette et sur mon ordi, en l'ayant acheté une seule fois, ce qui est plutôt cool. Ah oui, la cuillère en plastique, merci. Merci Pinage. Excusez-moi Dark Shopee, désolée, j'avais pas vu Dark Shopee ton message. Merci à tous les deux. merci, bien vu. Tu m'as convaincu. Écoute, ouais, c'est plutôt pas mal. En fait, il y a 3 plateformes en gros qui sont légales, contrairement à Instant Gaming et G2A pour ne citer que, qui sont troubles, pour le moins troubles et au pire illégales. Tu as du coup, en opposition à ça, tu as GOG, GOG et Humble Bundle en parallèle à Steam, où franchement très souvent quand tu regardes un prix Humble Bundle sur Steam, c'est soit le même prix soit plus cher. Donc très souvent, c'est moins cher sur Humble Bundle. Après, sauf les promos Steam qui peuvent être intéressantes. Enfin, ça se compense pas mal, quoi, avec les promos. Si t'as pas besoin d'acheter un jeu aujourd'hui, tu le mets en liste, en surveillance des deux. Et le premier des deux qui fait une promo, tu prends, par exemple. Ça s'est bien passé? Bah écoute, oui, ça a l'air pas trop mauvais. Donc on va voir ça juste après, Sin City. Mais je crois que ça a l'air pas trop mauvais. Instant Gaming est pas légal? Non, malheureusement. Enfin, tu regardes Instant Gaming légal sur internet, tu trouveras toutes les réponses que tu veux, mais il y a des soupçons de cartes volées, de jeux pas bien. Après, en fait, c'est toujours la même chose. Les développeurs, surtout sur les jeux indés, vont être les premiers à dire « mais craque mon jeu plutôt que de l'acheter sur un site qui est illégal, quoi. » Les développeurs, ils préfèrent que tu... récupère le jeu gratuitement. Enfin, ils préfèrent que tu le payes sur les plateformes officielles ou que tu le récupères gratuitement plutôt que de l'acheter en promo sur des plateformes qui sont illégales. Ce qui est assez logique en fait. Donc bref, vaut mieux prendre sur des plateformes légales. Si vous avez les sous. Ce que je vous encourage. Salut, c'est Jego. C'est qu'on est en train de faire du riz pour aller avec le chili qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, c'est beaucoup moins intéressant parce que du coup, c'est juste du riz. Ça devrait pas tarder à être cuit, d'ailleurs. Mais du coup, on en profite pour papoter. En attendant que ça soit cuit et qu'on puisse voir ce que ça donne avec le chili. Vernax, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que c'est un peu étrange. Tout simplement. Et aujourd'hui, on récupère des sous pour la SPA de Cholet. Merci, Kichou. Donc, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien et vous soutenez la SPA pour rattraper un peu les conneries de nos concitoyens violents. Oui. Je me suis fait engueuler tout à l'heure déjà, Marc. T'as le droit de me réengueuler si tu veux. Mais je me suis déjà fait gronder parce que je fais du riz en sachet. Salut Zernax. Salut de la France. Mais en fait, j'ai pas de passoire. Exactement, comme tu dis, Marc. Nous, on est en France. Il va être l'heure de dîner bientôt. Mais il est tôt, hein. Je crois qu'on a rarement dîné aussi tôt. Mais en vrai, ça donne faim de cuisiner. Voilà pourquoi faut pas que je le fasse trop souvent. Une fois par mois, c'est bien. Goyam, il va mourir. Mourir de par son cœur. À cause du riz en sachet. Tiens mon Goyam. Pas besoin de passoire pour le riz en vrac. Ah, c'est pour ça que Goyam meurt. Ah, ça y est, c'est confirmé. Tu viens à la Kyreelle alors? Ça, c'est cool. Et il y aura sûrement le live cuisine juste avant. Comme ça, je ramènerai ce que j'aurais cuisiné à la Kyreelle. Qu'est-ce que vous en dites? Je me suis dit que ça serait une bonne idée. Au moins le dessert. On va essayer de faire un dessert qui est transportable. Ah, merci Kichou. Tu fais du risotto, pas besoin de passoire. Salut Aloïs. Bah ouais, mais là, c'est pour aller avec le Chili. Végétarien. Alors du coup, je peux pas trop faire un risotto. Si Blacky, oublie pas. Non, mais non. Je pense pas. Je pense pas. En tout cas, moi, je me réjouis. Ça va être chouette. C'est quoi la Kyreelle? C'est une IRL, donc une rencontre abonnée. Avec moi, avec Kyr. Et donc là, on fait une rencontre. La première rencontre abonnée de cette année, ça va être... enfin, de 2018. Ça va être à Dijon et Besançon. Vers le 23-24 mars. Février, pardon. Dans ces eaux-là. Exactement, Narvec. Mais non, c'est pas chiant de faire du riz. Mais non, mais c'est un peu pas très intéressant à regarder en live, quoi. C'était plus rigolo de découper les légumes en papotant. Au moins, il y avait du suspense pour savoir si je me blesserais ou pas. Ha ha, et je ne me suis pas blessée. Non, non, non. Et ouais. C'est moi ou on dirait que j'ai les yeux bleus? Non, pas du tout. Ah bah voilà, Marc le chat, tu réconfortes Goyam, je crois. Merci Pinage, toujours présent à l'appel pour Dijon. Ah oui quand même, bravo quoi, bravo la Blacky. Bon, j'étais en train de dire qu'on allait peut-être passer à un jeu, mais en fait le riz va être cuit. Du coup... je vais remettre la gamelle à réchauffer, le chili. Comme ça, ceux qui viennent d'arriver verront à quoi il ressemble. Puis ensuite, on va servir les assiettes de chili et de riz. Je pense que ça. Ah non, Aloïse, je crois pas. En fait, le problème, c'est que comme ça a été monté un peu à l'arrache par la SPA, ils n'avaient pas de... c'est pas une collecte avec un objectif de don. Donc il n'y a que la SPA qui sait exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser le lien qu'on vous envoie dans le chat. Il n'y a que la SPA qui sait combien de sous ont été donnés via le lien du chat. Et c'est eux qui vont nous faire des comptabilisations, des décomptes, pardon. Et je crois qu'ils vont nous le faire tous les mois. Tous les jours, pardon. Pas du tout tous les mois, tous les jours. J'avais lu « Je me lave » 3 ou 4 fois. J'allais dire pour un chat, c'est normal. Alors, d'ailleurs, je vais aller voir si j'ai eu une réponse, parce que je demandais où est-ce qu'on pouvait le trouver, ce récap, mais non, apparemment pas de réponse. Pas de réponse. Ça sera demain, la sonne récoltée, car la madame qui s'en occupe est en week-end. Ouais, voilà, c'est ça. 30 minutes de sauna. Tu veux une place dans le riz? Oui, c'est ça. Ils vont nous dire au fur et à mesure. Mais c'est dommage du coup parce que dans les streams, on est habitué à avoir une barre de dons évolutive en direct, quoi. On n'a pas ça. Mais du coup, ça va être tous les jours. La nana où on va essayer de voir si on peut en avoir plus régulièrement. Mais en fait, c'est quelqu'un physiquement derrière l'ordinateur qui devra aller regarder combien on a récolté. Donc du coup c'est un peu plus compliqué quoi. Donc ça sera la surprise, mais n'hésitez pas à bourrer les dons quoi qu'il en soit. Ce que vous pouvez en tout cas. Le lien sera disponible toute la semaine, exactement. Les chats n'aiment pas l'eau. Non mais il peut se faire sa toilette. Bon, qu'est-ce que vous en dites que le riz est bon là? Moi je pense que le riz est bon. On avait notre débat sur l'ébullition à 21. Il est 40. Ça fait 20 minutes qu'il est dedans. T'as bien fait Kichou. Kichou est l'ambassadeur. Kichou et Kukui, tout ça. Ils font déjà la transmission entre Trinity, qui est l'instigatrice de l'événement, qui nous a tout organisé et qui a rabattu le rappel. Et les streamers qui ont répondu à l'appel. T'as abandonné sur le riz. C'est ça qu'on déteste avec les sachets. On peut pas voir quand c'est bon. Moi, je pense que c'est bon. Allez, adjugé. Il a bien gonflé là, il prend pratiquement toute la place dans le sachet, donc je pense que c'est à ça que tu vois que c'est bon en fait. Quand ça prend toute la place dans le sachet, c'est que c'est bon. « 12 minutes », ouais c'est ça. Donc on est bon. Après, par exemple, j'ai une copine, pour faire cuire son riz, elle met le riz, elle met l'eau, et elle attend que l'eau soit entièrement absorbée. Elle compte pas en minutes, en fait. Quand l'eau est entièrement absorbée, c'est bon. Non mais c'est vrai, il y a des riz 3 minutes, ça dépend du riz que t'achètes. Moi je suis comme Kichou, je suis habituée des riz... Hop. Des riz faciles. Et les riz faciles, c'est 3 minutes. On va essayer de ne pas faire de conneries. De conneries, si vous voyez ce que je veux dire. On va remettre ça à chauffer. On vide cette eau là. Ça sent trop bon. Rien que le fait d'avoir soulevé là, ça sent trop bon. Je vais vider l'eau, je reviens et je ramène une assiette pour qu'on puisse voir ce que ça donne dans l'assiette. Comet, est-ce que tu as déjà faim ou pas? Tu veux que je serve? T'es dispo pour manger ou pas? Dans le PC, oui, je peux le dispo pour manger dans le PC. Oui, mais les gens vont s'attendre à ce que tu donnes ton avis. Hein? Va falloir que tu donnes ton avis. On va touiller. Ça va, ça a l'air d'être chaud quand même. Ça fume, donc ça doit être bon. Tac. Marc. Ah, c'est chaud. Pardon. Je regardais dans le chat et en même temps j'essayais de verser le riz dans le saladier à riz. Mais du coup, je me suis brûlée avec l'eau du riz. Voilà. Alors. obligée de vous descendre la caméra sur le sur l'assiette juste après. Je sers comète. Je pense que je vais en avoir beaucoup trop. Parce que on est 3 à manger. J'ai rempli 2 assiettes, j'ai encore les 3/4. Enfin, allez, les 2/3. Alors, donc c'est chili végétarien. Donc je vous montre. Faut que je descende la caméra. Attends. On va défaire le nœud parce que c'est un sacré bricolage là-haut. Tac. Hop. Blah. Yep. Voilà. Donc, c'est chili végé. Je vais vomir. Mais non, c'est bon quand même. Salut Tiki. Bienvenue. Donc, chili végé, c'est des poivrons, des oignons, des haricots rouges, du céleri, des tomates. Comme j'aime pas le piment, il n'y a pas de piment. Comme j'aime pas le cumin, il n'y a pas de cumin. Il y a des 4 épices. Je pense que ça manque un peu de sel encore. Qu'est-ce qu'on a oublié? Du riz. Alors écoute, le mélange était bon, Kakash. On va goûter là avec le tout, avec le riz. Et des champignons aussi. Si, on a mis des champignons. Il manque des champignons. Ah oui, tu penses que j'en ai pas mis assez? Bah, il disait 200 grammes, c'est ça? On a fait 2 champignons, 3 champignons? Je sais plus. Ça roule, Sin City, à la prochaine. Il va y avoir le replay, hein, de toute façon, sur YouTube et sur Twitch. Merci d'être passé. Prochain live cuisine, ça sera annoncé dans le... l'agenda en dessous, ça sera certainement autour du 20, 21, 22, 23, dans ces eaux-là. Si chaud. Si chaud. Hey, salut Benny, comment vas-tu? J'ai cuisiné ce soir. Ça manque de sel. Après, moi, je mange hyper salé. Aucune idée, Oli. Comme je disais, j'ai jamais goûté un chili. C'est les abonnés qui ont décidé qu'on ferait un chili végé. Moi, j'ai jamais goûté du chili. Tentative de manger proprement, oui, exactement. Ça a échoué. Écoute, c'est pas trop mal, je crois. Comet, il a dit que c'était bon tout à l'heure quand il a goûté juste le chili. Ça sent le bureau souvent nettoyé. En fait, c'est l'usure du bricolage, ça. Attends. C'est l'endroit du frottement de la souris et du clavier, avant, quand j'avais pas de tapis de souris. Et des bricolages. Écoutez, je crois que c'est pas mal. Ça manque un peu de goût en fait. Je pense que ça manque d'une viande qu'aurait donné le goût, effectivement. Ou peut-être le tofu aurait donné du goût, mais comme j'aime pas le tofu, il n'y a pas de tofu non plus. On parle pas la bouche pleine. Ça manque de piment. Ouais, ou du chorizo. T'as enlevé tous les trucs qui donnaient du goût. C'est vrai. T'as goûté ou pas? Ah non. Elle dit c'était bon, il manquait juste le riz. On va faire une dissertation. Goûte avec le riz. Je vais goûter avec le riz, je peux avoir le fromage râpé. Il est où? Aucune idée, il doit être là. Oh, il est au frais. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends pourquoi tu le fais avec une viande. Parce qu'en fait, il manque un aliment un peu plus consistant que le reste. Parce que là, du coup, t'as un... Ça a pas bon goût, le tofu. Bah, c'est pareil, je suis pas hyper fan du tofu. Je préfère manger des légumes que du tofu. Seitan, ça a plus de caractère. Jamais goûté. Non, mais c'est bon en vrai, quand même. Hein. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce qui pourrait être bon avec ça. Si, ou des fruits. Genre là, des raisins secs par exemple. Ou du pruneau. Ou des figues. On en parlait tout à l'heure. Non mais Marc. En fait, il manque un truc en gros morceau dans lequel tu croques au milieu du reste. Et ou un truc qui donne un goût. Quoi? Bah quoi? C'est plus un dalé qu'un chou. Je sors d'une raclette. Une crêpe avec de la raclette. Du coup, j'ai pas très faim. Ah oui, effectivement. Bah là, je tombe sur des carottes et je me dis plus de carottes, peut-être que ça aurait été pas mal aussi. Au lit. Non, en vrai, ça se mange, hein. C'est beau. Il manque un truc qui se démarque en fait. Mais pas du piment, parce que j'aime pas le piment. Ça fait un peu ratatouille, ouais. Mais sans le jus de la ratatouille. Mais avec des haricots rouges. Merci Tiki. Parce que vous voyez les poivrons et la carotte par exemple. Quand on tombe dessus, il démarque un petit peu, mais pas assez en fait. Je vais les cuisiner rapidement. Bon, on remet le live cuisine au mois prochain. Du coup, dans une vingtaine de jours, dans 30 jours quasiment, ça va être quasiment la même date, je pense, autour du 20. Ouais, t'as vu, elles sont chouettes mes animations. J'ai de nouvelles animations pour tout, pour les follow et pour les hosts et pour les dons aussi. Et et pour les subs. C'est Sgan qui me les a fait et elles sont trop mignonnes. Et avec Sgan, on va refaire l'identité de toute la chaîne d'ailleurs. Ça c'est, ça va être le... Dès qu'on a un peu de sous sur la chaîne, ça va être l'investissement 2018 sur la chaîne. T'as mis suffisamment d'épices? Bah ça a un peu le goût des 4 épices, peut-être pas assez effectivement. Peut-être qu'on aurait pu mettre un peu plus de goût. Évidemment. T'as pas eu l'alerte sub? Mais si. C'est un cœur qui fait du surf, l'alerte sub. Des pleurotes et des oreilles de Judas, je connais pas. Salut Néotix. C'est moi qui l'ai cuisiné. Toute seule. Avec le chat. Mais non, attends. On va aller lui demander à Streamlabs de se faire remarquer. La prochaine fois. Oui, si, il y a une prochaine fois. Hein, c'est pas gagné. Alors. My Subscribers. Je peux pas... Envoyer l'animation. Alert box. Ça fait ça. L'animation sub. Elle est trop bien, non? C'est un cœur qui fait du surf sur la vague du love. Elle est pas trop bien? C'est Kyreelle qui mange tout seul, exactement. Non, pas toujours. Non, dans mon cas, pas toujours. Il y a quand même une fois où la conclusion de ma cuisine, c'est bah, c'est mangeable, mais c'est pas terrible. Ça se mange, mais c'est pas terrible. Elle est cool, hein? Et l'animation des dons, c'est ça. Hop. Elle est pas assez grosse. Et c'est dans la Kyreelle. Oh là là, c'est mal écrit. C'est dans la Kyreelle, pas dans la tirelire. Sinon c'est pas drôle. Dans la Kyreelle. Kyreelle. C'est exactement ça. Bah alors t'es pas allé cuisiner, grand migrateur? On a faim, on en veut. Mais je sais pas si je vous l'envoie par la poste, ça va être très bon. C'est intéressant ça. Tu stream quoi, Neotix? Mais j'ai du riz là avec mon chili. De quoi vous parlez? C'est vrai avec le cache. Ah, du blizzard. Très bien. Dominez le monde. Et t'as un planning déjà? Tu sais quel jour tu vas streamer, quand tu vas streamer, tout ça? Merci Géo. Bonne cheers. Minus et cortex. Nam 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 nam. C'est vrai. Bon. Par contre, j'en ai trop. Donc ça veut dire qu'on en a 10 fois trop. Un jeu d'horreur, toujours pas. Peut-être, je dis bien peut-être, que pendant la semaine anniversaire, en février là, vu qu'il va y avoir plein de trucs spéciaux, d'exclusivités, de découvertes, il y aura une découverte par jour, et il est possible qu'une des découvertes soit un jeu d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 3 followers. Ah ouais, d'accord. Donc il y aura une découverte par jour, une créa par jour, plus une lecture créa par jour. La créa, je sais pas si ça va être tous les jours, ceci dit. Mais au moins tous les 2 jours. Bah, j'en ai déjà des jeux d'horreur en plus. J'ai Soma et Outlast. Mais pour moi, Edith Finch, c'était déjà un jeu d'horreur, alors bon... Exactement, Kakashi. Toi-même, tu sais. Re-snipe. Faut faire Soma, c'est soft. Bah c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris cela. Merci, snipe. Bon, ça y est, j'ai plus faim. De l'eau maintenant. J'ai soif. Bon, on va bouffer du chili pendant 3 jours. Hein. Et on a fini. C'était bien ce petit live. Il est quoi, 19h?